Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV, l'émission de cuisine dans Plaisir Créole. C'est tous les jeudis, aujourd'hui un jour spécial puisque c'est un jeudi férié. Et nous avons toute notre temps donc aujourd'hui, nous monte là-haut à l'écurie parce que dernièrement on est allé faire le pique-nique à Forêt-Bébou avec le caritang ou le civetang. C'est selon, on a un peu dit ça, c'est un caritang, on a un peu dit ça, un civetang de Madame Mimosa. Ensuite, la semaine dernière on était à Mayotte, hein, vous avez vu, hein, donc un instant, on arrive à la Réunion là, et là nous reprenons une bonne petite habitude, nous remonte à l'écurie là où on a l'emplacement où on nous fait la cuisine toutes les semaines. Et aujourd'hui nous reçoit là-bas, on a Calix avec Claude, toute bonne là, ils sortent dans le sud là-bas, ils viennent, mais on a aussi le sud sauvage parce que nous on a aussi le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, nous Nora dans un instant, si vous n'avez pas trop raté la route, je sais pas moi si l'auto pas tombe en panne dans le chemin, ne connais pas encore, n'importe quoi arrive là-haut, hein. Jean-Claude Gigant qui viendra nous faire un civet lapin ou un civet lièvre, mais plutôt un civet lapin, il croit, il a dit moi il mène le lapin, tout de suite tu es là-haut, tout de suite là il regarde comment il pousse le lapin, alors il ne connaît pas si c'est vrai, hein, on connaît des fois, il dit moi dans le téléphone, après quand il arrive le lapin finit de tuer aussi, hein. Bon, si le lapin finit de tuer là-bas, quand on arrive là-bas, casse pas la tête, on aura l'occasion de retuer notre lapin en direct. Non, on est trop un peu barbare là, non. Et on va voir. Non, montre autres que les plans où ils choquent pas trop, hein. Donc en tout cas, aujourd'hui c'est la cuisine, c'est civet lapin. Et pour aller aujourd'hui à la cuisine, me l'ai pas tout seul aujourd'hui parce que n'en a quelqu'un avec moi. Ça tu connais, hein. Ça tu connais Niela, hein. Et ben Niela aussi n'est que moi, hein. Et ben s'il tourne un petit coup son caméra à côté de lui, hein, nous n'a Niela avec nous. Et ben voilà, Niela bien maquillée, moi pas du tout, hein, grand matin là. Arrête ben, poser, allons faire que manger là. Ben les bon, ben allons faire que manger alors. Hein. Aujourd'hui, ben vous serez là avec moi pour tenir la caméra là, parce que généralement, mais tout seul, vous viendrez pour manger, ouais. Donc aujourd'hui, vous voulez un petit peu plus bonheur. Normal, aujourd'hui c'est jeudi, les férié, ou les post studio là. Et donc, vous la faim? Non, on m'a pas faim ce matin. Moins, pas trop, mais là encore bonheur, c'est pour ça. Hein. La soif? Oui, mal à soif. Et aujourd'hui, elle dit bois pas l'alcool. Hein. Bois pas l'alcool? Mais bon. Non, bon, ben ok. Allez, ben nous monte. Allez, elle est partie. Donc, t'as créole, t'es mon ça, et ça rôdait dans le bois. Ça, c'est quoi, zandette? Zandette. Zandette? Zandette. Il mange guêpe, mais il mange pas zandette, moi. Mais il est pareil. Le meilleur guêpe. Ah bon? Ben, elle est meilleure. Ouais. Longtemps de monde, t'es mon ça, bon, fait longtemps. Ah oui. Dans le chevron, ça rôde ça. M'a déjà vu les gros, les noirs, zandette, même ça. Le noir, pas le même. Le noir, pas le même. Et là, où on trouve ça, là? Ça, dans le bois mal allumé, acacia, ça. Dans le bois, t'en allumes de feu là alors? Ouais, d'acacia. Bon. L'instant, si Miguel est 50, elle me baise. Mais 50 pas? Il s'est détruit tout de bois pour tirer ça dedans. Ça, on est gros, nous on est gros, ça coupe de bois, ça tire tout en dedans. Ah bon? Ben on a travaillé, hein? T'as déjà fait la paix à la moutarde? Non, moi plutôt le civet, on va voir. Civet. J'aimerais bien moi manger. Hein, Claude, tu connais le lapin à la moutarde? Ah oui. C'est bon ça, non? C'est très bon. Ah. Allez, allez, là. Là, on allume de fécamp. On allume de fécamp comme. Comme malbar. Comme malbar, même. De façon, moi, malbar. Même moi, mais un peu malbar, oui, d'accord, mais. Et avec camp, on est sans lime de fécamp. Ah, ça va aller. Là, oui. Parti, hein. Et vous l'avez fait griller le zandek? Ben, m'a fait griller le manzaïm là. Ben, l'instant manzaïm là.
Là, on a des épices. Ben, Jean-Claude, vous connaissez bien notre jardin à tout. Hein, oui. Nous avons besoin d'épices, nous ça garder que ça y trouve. Mais bon, alors. Mais quoi, pas vraiment qu'on a fait la dent à tout. Ben, alors, vous dites alors. Ben, hein? Souvent, on va faire plein de petits chercher des papayes. Il y a tout là, Jean-Claude. Il y a où la ménage là. La grandit un peu. On a la lumière pour filmer tout. C'est super, hein? Hein? Ah, super, oui. C'est, oui, c'est l'idéal pour. Pour mettre plus de monde, hein? Ah oui, bon. C'est bien. Bon, le roux portail. Bonjour, il faudra avec on s'en était pour faire quelque chose dans le sud, hein? Parce que la dernière fois, on est parti, le cœur n'était pas tranquille, hein? On va pas gagner manger un petit peu ensemble, nous. Là, je vois Dieu aura l'occasion, hein? Mais bon, alors, ok. Voilà, Calique, qu'est-ce qu'on a besoin, là? Alors, l'année, ça prend. La piment. Piment, nous ramasse des trois piments tout de suite. Ouais. Hein? Mettre là-dedans. Bon, piment aux oreilles là, les blancs. Et quand le piment fait rouge, comment il peut aller? Ah, ben là, là, il appelle plus aux oreilles, piment caf. Piment malba. Ah, on a comment on dit moi? Ouais, ma ramène deux, oui. Comment on appelle ça, nous, quatre épices? Des fois, nous dit Ravine Sarah, des fois, nous dit quatre épices. Quatre épices selon l'humeur, là. Ben, mais Népé, elle dit comme ça, quand c'est des gros feuilles comme ça, là, c'est quatre épices. Oui. Et Ravine Sarah, elle est un petit peu plus petit, le feuille. Plus côtelé. Plus côtelé. Oui, ouais. Oui, oui. Ben, l'ami Wali, il est grand, mais il est côtelé aussi. Donc, il connaît plus moins maintenant. Il tombe pareil, il donne le même goût. Il donne le même goût? Ben. Ouais. Il est bon, alors. Ben, c'est un bout de zinzombe, donc là, pour un petit morceau, oui. Ni là, il s'en va là-bas. Elle dit, ça va goûter pour nous. Elle dit, ça va dégoûter. Ah bon? C'est ça, quoi. La tête, on va y. Oui. Même la famille, il ne met pas beaucoup. Volaille. Ah, vous ne mettez pas beaucoup? Non, le machin, il ne met pas beaucoup. Dans le zinzombe, il ne met pas beaucoup? Dans la peau, il ne met pas beaucoup de zinzombe? Il met un petit morceau, il ne met pas beaucoup. Ouais. Et vous l'avez vu quand j'ai un jambon en fleur? Les hommes ils lèvent, il y en a fleur tout. Ah oui, ça veut dire bon, les... il me dirait parce que bon. Il va sécher, on va arracher pour planter. Avec ça nous là, c'est hein? C'est. C'est bon là alors? Zonio vert un peu peut-être? Zonio vert, si. Mais un petit bot. Oh le petit là-bas, non? Ouais, le petit, mieux. Le gros flic, moi, il a fait là. Mais on la ramène un petit peu ici, nous pensons. On en a un petit peu là-bas bah, avec ça, nous là, c'est alors c'est, oui. Ah, le thym. T'es assis, tiens, ça va, Jean-Claude. Le thym un petit peu là aussi, hein. Ben, des petits bottes. T'es assis, on en a là-bas pour un. Hein? Ben, on a PSI fruits là. Ben, on ramène un petit peu quand même. Ça, la pince Saint-Joseph, on mange PSI. Ah, le thym par contre, on en a là-bas. C'est ça, non, le thym n'a pas ramené, on ramène un petit peu quand même. Ouais. Le thym sera plus pour. Bah. Couler. Ah, bon, on a gagné tout nous là. Hein? Une coupe de petits faïfiques. Ah, nous les bons nous là. Tout, ben, on a tout fait ici. Elle va planter un petit peu partout là. Ben, elle plante un petit peu partout. Papaye est joli, papaye. Papaye aussi, ben. Mais regarde là comment j'ai un jambe là, gay fleur là. Comment t'as un jambe, comment gay fleur. Incroyable. Joli fleur, j'ai un jambe. Normal, je vais aller ici. Ah ah. Qu'est-ce que ça, vous? Ben, le fleur que ça fait avec. Il ne peut pas devoir faire une affaire ah, avec nous. Ah, les tomates, les aubergines. Et si vous coupez deux, trois fleurs, faites une petite salade de fleurs. C'est marqué les bons aussi. C'est les bons, non? Allons essayer, non? Vous dites, collègue, vous dites pas où? Si à moi, il peut faire une affaire avec ça. Ah, il y a un poison à panneau, lui. Nous coupe le bon fleur. Peut-être coupe des petits fleurs. Coupe des petits fleurs, là-bas. Des petits roses, là, nous va... coupe allez. Nous va mettre dans une salade comme on a fait un petit peu à côté de nous. Mais là, nous, elle vend tout nous. Il y a un zinzombe dans la salade concombre. C'est bon. C'est bon, un petit coup là. Ah, il est joli, hein. Ah oui, il est bien. Le zinzombe est joli, hein. Ouais. Bon, on dirait Calice. Même une rose porcelaine noire. Calice donne une idée. Ben, Jean-Claude dit ça. Ben, nous essayons, nous sommes là pour innover, non? Ben, ça, première fois, vous connaissez moi, fleur zinzombe. Jamais vu, moi. Jamais bien fleur zinzombe. Première fois. Ouais. Mais lui, il fleur zinzombe, là, il vient rien qu'une fois par an, tout le monde, hein. Ben, il n'arrive pas longtemps, il vient pas longtemps, tous les temps, d'accord. Ben. Il pense les grains, il vient là-dedans, il fait le grain, après, il tombe à terre, il y a la pousse. Attends, il garde un petit coup, là. Ah, il est joli, là. Il est joli. Ah,
Oui. Bonne de monde n'a jamais vu fleur de gingembre. Elle est là, fleur de gingembre. Elle est là, fleur de gingembre. Comment elle est peur? Bon, nous commençons la cuisine alors. Allez, nous allez, allez, ben, fait une présentation de ce que nous a fait. Mais bon, alors, allez. C'est pour le lapin avec le volaille. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh ben, bienvenue à Saint-André, hein. Oui. Hein, ben aujourd'hui nous on a Claude, nous on a Monsieur Box, nous on a Monsieur Bourgeois. Bourgeois, ils sont de Saint-Joseph là-bas à l'arrivée, là. Monsieur Box aussi sont de Saint-Joseph. Hein. Et Calix, mais passe vite côté haut parce que tout le monde connaît haut. Et après nous on a Jean-Claude Gigon, chanteur devant l'Éternel. Alors Jean-Claude, tout ça sorti dernièrement là. Ben. Prochainement, dans le mois de juin, il va rentrer en studio pour un nouvel album. Ouais. Oui, et puis ben, on aura l'occasion de faire tourner ça sur le canal Austral. Hein. Bien sûr, ouais. Et sur Piment TV aussi. Voilà, Piment TV. Et alors, des nouvelles de Neve Sola un petit peu? Oui, j'ai ces nouvelles. Il va très bien, oui. Il va très bien, Madagascar, là-bas, Diego, là-bas alors. Ouais, hein, ben, même j'ai fait une nouvelle chanson, nous deux, on va chanter en duo ensemble bientôt. Ah bon? Ouais, ouais. Ben, nous attendons ça avec impatience alors. Avec impatience aussi, Calix, parce que Calix, ça, qu'est-ce qu'on a d'âme, là? Ça, pas l'hiver, hein? Lapin. Lapin? Ben, lapin. Pourquoi vous étiez boyé comme ça, en l'air, là? Ben, si vous étiez boyé, notre pari, griffe à moi, lui. Griffe à moi, lui? Ben, la moi, là, on pogne à lui, moi, là. Ça, pas là, il a... Vous voyez ça, ou là, on pogne à lui? Moi, là, on pogne à lui, moi, là. On pogne à lui, alors, hein? Eh, sacré, on a dit ça, on pogne à lui. Moi, là, on pogne à lui, au moins, les bouges pieds. Là, principalement le plat sur le thème lapin. Le lapin, alors. Un bon carré lapin. Bon civet lapin. Civet lapin, alors. Mmh. Ouais, nous faisons civet. C'est notre cuisinier Saint-Joseph qui fait lapin, là, aujourd'hui. Ah bon, ben. Jean-Claude Gigant, c'est où qui fait le lapin, alors? Ouais, mais. Il chante pas seulement, lui. Il fait lapin aussi, lui. Et là, donc, au civet lapin, alors, hein? Oui, et puis, bon, pour accompagner, nous va mettre un petit peu de poulet à côté, parce qu'il y en a un toujours parmi, mange pas lapin. Donc, il nous aurait mis de poulet, manger surtout. Mais bon, on a concombre aussi, mais, quoi? Concombre. Et toutes les épices, là j'ai dit nous trouver une affaire dans le jardin de Jean-Claude. Ben. Fleurs de gingembre. Fleurs de gingembre. Alors Claude. Là c'est pas connu. C'est la première fois que je vois les fleurs de gingembre. Là il faut venir à la réunion pour voir les fleurs de gingembre. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Et c'est mais super beau. Bon. Jamais... Mais est-ce que tu savais qu'il y avait des fleurs de gingembre? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ah bon? Je voyais le gingembre avec la. Avec les feuilles, mais les pas feuilles. De fleurs. Quoi. Ouais. Et Calix, qu'est-ce que ça fait avec le. Mais là, comme l'on a concombre. Et Jean-Claude Gigon, il dit, moi, ça l'est intéressant, lapin là, accompagné de concombre. Ouais. Il dit, ma prends un petit peu concombre, ma coupe fleur à gingembre là, ma lave donne un petit peu pour nous goûter, pour voir ce que ça y donne. Ah bon? Avec piment, il doit être bon, lui. Et vous croyez qu'il y a un poison à panou? Ah! Il n'y a pas d'un poison à panou. Non, il n'y a pas d'un poison à panou. Il n'y a rien de poison à nous. Le gingembre, il est bon. Le fleur, il doit être bon aussi. Ah bon? C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Des fois, le gingembre oui. Est bon, mais le fleur, il est toxique. C'est vrai. Ouais. Ouais. Comme l'inverse, il y a des fois, la fleur est très bonne et la racine. N'importe quelle fleur, tu peux prendre des fleurs, des pensées, c'est très très bon la pensée. Oh, oui. Mais tu ne vas pas manger les racines de pensée. Ah bon hein? D'accord. Voilà. Y a d'autres fleurs qui sont très très comestibles, comme la... ça ne me vient pas l'idée, les fleurs jaunes... Capucine, c'est très bon. Ouais. Oui. Ouais, les cotricots voilà. Aussi, non? Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas, mais les capucines, oui, c'est sûr. Les pissenlits, on les mange pas la racine. Pas la racine, ceux-là. Mais le plus tard possible. Et pourquoi cette expression manger des pissenlits pas la racine? Ouais, parce que lorsqu'on est sous terre, les racines des pissenlits viennent nous chatouiller le nez. c'est ça. Ça doit être ça. Quand tu dis à quelqu'un, toi, tu commences à m'embêter, je vais te faire manger le pissenlit par la racine. Ça aussi, c'est mauvais. Ça fait méchant. D'accord, alors. Bon, ben, donc... Là, nous savons qu'on se prépare. Les invités y arrivent, là. Les invités y arrivent. Non, mais Niela, ça t'a là, il est parti. Il a acheté un goûter. Là, elle a dit comme ça que... Il vaut mieux que nous a le ventre plein avant de commencer, non? Elle le ventre plein, d'accord, pour manger, mais il ne voit pas rien de s'y faire avant de manger. Un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Il y a la carafe d'eau. Ah, ben voilà, une carafe d'eau, là. Les bons. Alors, ben, comme ça, il nous commence par aller tuer le lapin. Et nous, ça, regardez comment il pliche le lapin là. Hein. Et après, nous attaque.
Elle a fini le retour au couteau, hein. Ah, ben, là. Ah, bon, on peut nous savoir, allez, alors. Alors, ouais. Mais bon, alors, allez. On grappe pas à son rayon, alors. Oui, là, on coiffe pour l'affaiblir un petit peu, mais dans voilà. Un petit coup. Un petit coup. Voilà. Là, on affaiblit ce moment-là. Hein. Voilà. Mais bon, alors, attends, là, t'as crié là-bas, là, comme ça, t'as fait souffle à peine, là. Mais pour faire souffle à l'île, pour manger, il faut bien faire souffle à l'île. Il vide un petit peu le sang. Bon, censuré, mais mettre un pied de bois devant, hein. Au moins pour les âmes sensibles, ils ne voient pas. Hein? Alors, t'en mets bien calme le pied de bois devant, au moins comme ça, personne ne voit pas. Hein? Voilà. Un pied de bois devant le lapin, au moins comme ça, il ne voit pas que t'en coupes le lapin. Hein? Coupe le collet. Là, la finie, c'était, elle est bonne, là. Ouais. Mais il n'y a pas crié du tout, donc. On a passé 10 ans, dis-le. Mais le lapin, là, il ne crie pas ça, alors. Hein? Monsieur Box, vous connaissez quand il tue l'agneau, il pleure. L'agneau, oui. Hein? Ouais. Et lapin, il ne crie pas, lapin, lapin. Cabri crie, un bon bébé. Cochon, il crie. Lapin, viens, des fois, il crie. Bref, pas trop. Mais bon, alors. Mais bon, là, cochon, là. Tiens la patte. Hein, Rodin, il m'a donné un petit lapin là parce qu'il paraît la patte lapin pour le bonheur. Ah ouais? Bah oui, n'avait pas mettre ça comme collier dans le cou. Mais, ah, donc il faut enlève la patte pour gagner les... Ça y est, ça y est, les miens. Ça y est, pas bien, comme ça, c'est le dos. J'en arrive. On va y aller, tout ça y est, souvent. Calé, vous avez fini de mettre tout le tablier Canal Austral, puis mon TV. Parce que l'appel là, il s'est sorti moins, là. Ah. Ben. C'est bon, ça, là. Ah, mais c'est bon pour le temps, là. C'est comme ça que vous le débrouillez. Ah oui, 2 minutes, mais puis ça. Un instant comme ça. C'est meilleur, vraiment. Enlève sa veste. Ben. Allez. Tiens. Ici, moi, gros. Tiens. Allez. Oh là là. À la seule affaire. La clé, mette pas ça. Non, pas de chuteau. On ouvre. La tête est plus difficile pour piger. C'est ça, maintenant, il faut qu'on clé avec. La clé, ben, c'est sec. Tiens comme ça, 2 minutes, on va dire. Tiens comme ça. Tu as un coup de main, hein? Ah, pas du tout. Ah. Habitué comme ça, nous. Tu es habitué? Ah oui. Bon, si on va bien chronométrer, là, nous, les 3 minutes, là. Hein? Oui, après, minutes, après. Hein, ben. Mais t'es travaillé quand même, bon que t'es sur les lapins. Ouais. Mais t'es ben 150, mais plus par jour. 150 lapins? Ben, vite fait. Hein. Ouais. Sinon, on va avoir 25 ans. Et lapin, elle fait le monde Irak, ça, Calais? Ah, peut-être dans d'autres pays. Ouais. Peut-être qu'ils. Je sais pas, ils mangent la peau avec. Ils mouillent, ils grattent. Ils grattent? Possible, hein? Ou ça m'avait entendu ça, moi? La plume, dans le sud, c'est pas ça. La peau, oui. Dans le sud? Oui, il plisse pas, il va y racle. Dans le sud? Ah ouais. La plume, elle est bien. Ça va, si. C'est la peau, oui. Mais la moulin, pas du tout. Les meilleurs, non? Pas du tout les meilleurs. Oui, il m'avait entendu ça, vraiment. Ben voilà. Et la tête, la fin, il mange ça? Si, il mange un peu, oui, mais moi-même, c'est ça. Un camarade, la dernière fois, un architecte, un copain, moi, il est venu, il a fait un lapin au chocolat. Ben, il y a mettre la tête là dedans, lui. Ah ouais? La tête là? Ben, il met, mais il met déjà moi-même, mais spécialement, s'il vient, il met pas la tête. Non. Ben, je sais pas, moi, il y a la tête. Et par un coup, moi, je mange la tête. Ah, non, mais il faut nettoyer. Quoi, la tête? La tête, tiens, les oreilles, tiens, les oreilles. Ah, je mange la tête, oui. Ah, j'adore la tête. Les joues, c'est très très fin. Il y a de la chair dedans, mais après, il n'y a plus rien dedans. Si, les joues, la langue. La langue de lapin? Bien sûr. Oh, oui. Tout le monde, vous nettoyez bien avant, hein? Parce que la langue, ça apporte beaucoup de microbes, ça. Bah, tu nettoies, tu cuis. Donc, bien cuit, les microbes sont éliminés. Ah non, non, la tête de lapin, c'est excellent. Ah ouais, bon, okay. Alors, on gardera la tête pour toi, alors. Merci. Ok. Comme on veut. Mais bon, là, on lave un petit peu. Donc, hein? Un bougui mettre la tête lapin. Il faut tirer son yeux, ses oreilles, son dent, ses ailes. Hein? Quand on fait cuire lapin, s'il laisse les yeux, les oreilles, tout. Ou ça mange la lapin, on garde la lapin, garde ou encore, on dit, ah, n'est-ce pas, pas bon là, hein, faut tirer les yeux là, hein, mange pas les yeux là. Quand on fait cuire, on met la tête où? Ah oui, on tire les yeux. Oui,
Mais tiens, son yeux là, il est bien petit. Il a peine un gros yeux. La peine, les yeux, ils sortent. Ah, ben. D'accord, alors. Bon. Allez, pas de mamie. Attends. Attends, ma petite couleur. Mamie, mettez-le dedans. Ah. Joli, un joli viande. Joli, hein. Voilà. Ouais, joli. Ben, en fait, là, vous l'avez un pour monter à nous, mais en fait, vous l'avez trois depuis ce matin, vous arrivez là, hein. Voilà, exactement. Vous arrivez là un petit peu plus volé à quelqu'un, vous êtes trois, hein. Très, très. Et à trois lapins, comme ça, Jean-Claude, le monde, ça, combien de personnes à peu près, hein? Trois lapins, au moins 15 personnes. 15 personnes? Oui. Ah, ben, les bons, alors. 15 personnes, hein. Attends, fais Jean-Claude. La semaine dernière, moi, je fais un lièvre, un petit lièvre, yo. Ben nous, on mange à 6 personnes, non. Ouais, semaine dernière, on profite, semaine dernière, mais t'es pas là, hein. Non, hein. En mode, ça travaille, ça, on a la maison là-bas, ça, c'est en lièvre, derrière moi. Je m'agarde, je me dis où. Mais bon, on pense à où, là. Pas quand nous l'a en voyage, on attend pas quand nous l'a au salon de la maison. Mais causer la terre, quand nous l'est là, nous vient. Voilà, alors, Calix, maintenant, il connaît. Calix, connaît comment ça se passe? On s'en parle, c'est pour découper, si vous Claude. Hein? Découper avec ça. Où ache toujours le lapin? Pendant si. Qu'Alix prépare le corps. Voilà. Oh, la paix fait pitié, hein. Bidine, on l'a fait pitié, c'est pour tuer les un peu. Ah, m'a pas regardé, moi. Suffisant. M'a pas regardé, moi, sinon on m'y mange plus. Ah ouais? Ben, dommage, j'ai envie de vous regarder, mais si tu regardes, c'est pour moi, il fait pitié. Ah non, vous, s'il plaît, vaut mieux que vous ne regardez pas, il mange bien ensemble, nous, on s'en rend. Voilà. La paix est costaud, hein? Oui, en raison, c'est jeune lapin, mais il est. C'est joli, oui. Et dis-moi, quelle différence Nena, entre un lapin et un lièvre? Ben, le lièvre, le goût. Dire, le goût, le lièvre, ce qui paraît des mieux, puisque la chair est plus ferme. Mm-mm. Et puis, il veut dire, comme les cultures en nature, ils mangent le lièvre. C'est sûr que le n'a rien à voir avec le lapin. Lièvre est meilleur. Le lièvre est meilleur, oui. Ah, ouais. Mais seulement le lapin est plus facile à trouver que le lièvre. Ah oui, ça c'est sûr. Le lièvre est plus rare. Ouais. Je vous regarde comme ça, comment on est costaud, je dirais gros. Ah oui. Mais au fait, un civet lapin, un civet lièvre, ça arrive à faire la différence? Hein? Tu fais un civet lapin et un civet lièvre. Est-ce que Ougain fait la différence entre les deux? Maintenant, mais Vidéo Mini fait les deux parce que pareil, moi au niveau civet, ouais. C'est pour ça, mais Vidéo que là, au niveau goût même, on s'y change pas. Il change pas. Il faut vraiment. Mais après, le... c'est comme dire, plutôt au niveau chair, les plus fermes qu'on manger, et je dirais que les mieux que le lapin. Il n'y a pas ces petites déchets de graisse, le lapin, le lièvre, il n'a pas du tout. Voilà. Il a fait griller le zon d'être là. Vous l'avez fait griller le zon d'être là. Le zon d'être là ou là. Ouais. Vous mettez ici un petit bout de pain comme ça. Alors, retour le goût. C'est bon, hein. C'est bon. Ah oui. Ah. Pareil, d'être même. Pareil. Même goût. Tu manges avec du pain, même moi. Avec du pain, tu manges. Quand tu es petit. Et il fait rougaille aussi que ça? Rougaille, c'est griller au pile. Comme on fait rougaille guêpe là, non, pareil? Non, allez au pépilé. Oui, tu peux. Parce que le guêpe là, il n'a plus. Comment il est petit? Vous l'essayez entier. Mais à l'école, il fruit qui n'est pas plus dur? Non. Non? Ah, ben là, griller, griller, mes gars. Ah, il est tendu là. Ah bon? Ben. Au pile aller, griller bien au pile aller, on met du piment, mettre du sel, tu peux de l'huile. Hey. Bon monsieur là là. Oula, gazote de la nature là. Azote il vit, azote. Eh, mais pas pour longtemps. Ah, ben il est pareil, il attrape un lapin, il trappe ça, il plisse ça, il tient, il trouve ça en tête dans le bois, il mange. À nous, c'est de la nature, quand on l'a, à nous, c'est vraiment, quand nous, c'est madame. Tu connais pas où peut trouver madame par là dans la nature ici? Hein? La paix de semaine. Ben, la paix de semaine, ou alors madame pour autre en dette? Hein? C'est bon. Box. Ouais. La cousa on t'en fait là. Mais là, on y met un petit peu qu'on va voir. Un petit peu l'ail, un petit peu tomate, un petit peu gingembre. Ah bon, qu'on va voir aussi avec alors. Qu'on va voir l'ail, gingembre, un petit peu tomate. Un petit peu tomate. Et tomate, faut combien moi? Ben, trois. Trois tomates pour tout ça là? Trois tomates. C'est bon. Mets pas vos petites tomates là alors. Quand il a fait, mets pas trop de tomates. Je mets trop de tomates par exemple. Il a pris bien aigle? Non, pas du aigle, mais il y a. Pas pareil. Pas pareil alors. Calis, je connais bien Julie. Ah, mais c'est un autre tir. Ouais.
Dino, moi, je mets toute ma marmite sur feu, moi. Ouais, par où? Laisse. Mettre de l'huile tout, après ouvrir. Non, mais la maison, ils mettent à l'île bas. Oui. Maintenant, ils mettent de l'huile dans après. Après, ils vident dedans. Calix, oui. Ils ont dit à où le chef parce qu'on a tablier. On a tablier, moi. On a bonne cuisine. Non, après. Parce que ma la paix, il salit mon linge. Ils sont là. Ah, il en folie. Il a le monde pour la son linge, moi-même là, mon linge. Il a la chaîne du manuel. Donc aujourd'hui, là, donc c'est monsieur Box, B-O-X. Ouais. Hein? Ça, fait cuire. Ah, oui, ça fait cuire le poulet, le coq. Comment ça fait cuire ça, là? Mais il fait un petit carré créole. Petit carré créole, alors? Parce que le carré créole passe bien qu'un civil lapin. Oui. Pour ça qu'il mange par lapin. Après, ça, il mange par lapin, il mange le volaille, ça, il mange. Bon, là, alors, hein. Jean-Claude Gigon, là-bas, t'as mené coupé le lapin toujours. Bon, sous la responsabilité de Calix. Calix. Ben, les coordonnées ici en cuisine. Hein. Ben, on vient à l'instant qu'elle a fini de boire un petit coup là, puis il y a les coordonnées là. Si, Mike, pas ici, c'est Jean-Claude. Toutes les coordonnées. On va caler un petit peu de feu là. Mettre un peu de l'huile pour Gino. Ben, parce que les poules savent préparer les épices. Là, il y a un petit coup de main comme ça, mais allez le chef. Allez, chef volaille, Jean-Claude Gigon. Allez, chef volaille, Jean-Claude Gigon. Chef lapin. Chef lapin. Mais bon. Italie, tu connais la rue? Oui, oui, oui. Et bon, c'est là. Non, la scène, parce qu'il va. Non, après, nous tire. Là-bas, il est gras et après, il y a l'huile dans les jettes. Ah bon, d'accord. Après, il y a. Ah bon, donc vous faites frites, c'est-à-dire que vous mettez l'huile aux jettes alors, hein? Vous mettez pas beaucoup d'huile, non, mais c'est bon. Pas il y en a beaucoup là, il est bien. Après, il y a le cholestérol. Oh, c'est quoi, c'est quoi? Ah, pas bon, ça c'est bon. C'est pas pareil, madame Imoza. Madame Imoza, on veut manger son carré. Et bien bon, hein? Franchement, il dit son carré bien bon. Même on a de l'huile là, il ne jouait pas avec ça. Vous connaissez, côté quartier français là, moi, notre madame. Son garçon était nous l'autre semaine. Madame là, il faut qu'il mange très bien. Mais pareil, de l'huile. De l'huile. Pareil, créole, pour mettre un peu d'huile. Sinon, ben, oui, bon. Mais longtemps, il fait bon peu de l'huile. Hein? De moins, tu manges rien, ça même. C'est bon. Donc, on met avec toutes ces commandes-là, de l'huile, il faut éviter rien. Puis, encore. Ben. Et de l'huile comme là, puis trop naturelle. Pas pareil. Non, là, défini. Maintenant, ils mettent toutes les produits. Longtemps, l'huile est bon, l'huile. Et puis la graisse. La graisse, longtemps, t'es bon. Bread, t'es bon avec bread. La graisse. Un petit coup de pain, matin, tu coupes pain. Aussi. Le matin, on l'a pour un bel pasté saucisson là, ou sauté là, non. La graisse, c'est bon. En pain, pareil, bon petit pain d'or, là. Vous connaissez, bon, un petit cube, quoi. Petit cube, oui. Petit cube, la graisse, c'est comme ça. La graisse cochon, la graisse. Il me rappelle longtemps de sa pêche avec papa, hein, elle avait pas le porc, hein. Elle était pousse canotte dans le bois, la graisse. Elle le suif, là, elle la graisse, là, elle était mis dessous le canotte. Au moins, il fait glisser. Au moins, il fait glisser le galet. Après, il me rappelle ça, hein. Bon, mais là, là, dis ça. Eh, mamie, t'as une chaude. Tataï. Allez, bon, Tataï. Et vidaï, moi, si je veux. Vidaï, meilleur. Au moins, on voit la crête, le pays de la crête, comment il est. On a la crête. La crête de coq, il mange la crête, tout ce que La crête, c'est fait un peu rose. Ben, c'est rose. Là, là, il y a de l'émissaire, là. Il y a un peu blanc. Quand il coupe collé, là. Non, mais quand il coupe ce collé, il blémit. Il y a un peu d'alcool. Tu lèves la nièce. T'as lèves la nièce. C'est Hubert. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, arrache un petit peu d'oignon vert. Tu dois arracher un petit peu d'oignon vert? Bah. Vous voulez un petit couteau? Bah, repasse un petit peu le couteau, il coupe pas trop. Passe un petit peu de lime dessus. Ah bon? Et là. Monsieur Hubert, aussi sur le Saint-Joseph là-bas? Bah, Saint-Joseph. Hein. Quel endroit Saint-Joseph là-bas? Vincent 2. Vincent 2? Bah. Ah. Et là-bas, c'est quoi d'autres spécialités là-bas?
fais un petit peu tout. Un petit peu tout? Oui, un petit peu tout. Ah, vous êtes dans quoi? Oh? Dans mon bâtiment. Bâtiment? Dans mon bâtiment. Moi. Ah. Ouais. Ah bon, là, bienvenue alors. Merci. Et la cuisine, là-bas, qu'est-ce qu'on fait comme cuisine ou... Ben, la cuisine ne fait pas trop. Ma dame, il fait. De temps en temps, il arrive un petit peu à faire. Mais pas souvent. Une fois, ça que me fait un petit peu, c'est rôti porc. Car pour ça, un petit peu n'importe quel curry. Hein. Mais. La spécialité rôti porc. Rôti porc, please. Ah bon ouais. Mais d'accord, alors, fait beaucoup, madame, alors. Ouais. Mais bon, alors, garde où le baïa? Ah oui, là, on regarde. Bon, alors, hein 2011, comment ça va, ils sont bien. Qu'est-ce qui arrivait? En 2011, moi, ils sont bien. Tu m'as dit, pas moi, fait un petit peu peur, mais j'ai quand même gardé moustache, il ne faut pas aller trop vite. Ça va doucement, hein. Mais en fait, Miguel, ben, franchement, on a 3 ans de travail, c'est un gars, est super cool pour travailler ensemble, mais ah, vraiment super, rien à dire. Ah, bon. Mais on pas un petit peu peur, on connaît. Bon, la personne moustache Miguel, on connaît, c'est le chef. C'est Miguel, nous travaillons dans les mêmes services, mais lui, c'est mon chef. Voilà, Miguel, on un petit peu peur, mais en fait, trop cool pour travailler ensemble. Et le moustache fait peur de monde, hein. Bah, ça, lui là il peut, mais il est pas. Bah, il était fini, là il a fini blanchir là. Bah, quand lui a vu, peut-être encore un petit peu noir, un petit peu noir encore. Mais là il a fini blanchir là, c'est. Comment ça il finit blanchir? Là il finit blanchir. Il blanchit un peu bah, là. Bah, là. Eh, hey, tout le monde nous a déjà fait mettre un petit béret comme ça. Ah non, ah non, la pâte, on a bon peu. Bah, ça moi l'a pris, moi il a gagné. C'est un petit cadeau, mon maman, il a fait moins un. Ah, les gars. À part ça, on a mis plutôt un bon petit chapeau feutrine. Un petit chapeau longtemps. Ils mettent plus trop comme là, non? Ah non, ils mettent plus trop. Il n'y a plus beaucoup de monde. Ils mettent bon vieux monde longtemps, ils mettaient. Comme là, plus trop de monde pour le chapeau. Et bon, maintenant, comme ça, tu veux faire un petit coucou de meilleur? Bah oui, bah, il fait un petit bonjour. Quand tu vois là, bah. Après, pour un bon peu, peut-être que vous ne trouvez pas bon, mais pour moi, je trouve que c'est un bon meilleur. Ah oui, parce que. Merci Joseph. Bah, comment il parle, hein? Patrick le Breton. Monsieur le Breton. Il a un petit moustache comme nous. Bah, lui aussi, notre député meilleur. Député meilleur. La sienne ici commence à avoir des petits bruns blancs. Ah bon bah, et ouais. Ici, commence à blanchir un petit peu. Et bah, qu'on fait à mesure où prendre là. Je reste plus pareil, oui. Hein, ça va. Hein. Bah ouais. Mais bon, là, mais là, c'est un coucou de joignons. Après, nous allons retrouver un instant, là. Ouais. Mais bon. Mais bon. Eh, hey, m'a dit Calix comme ça. Il aimerait lui faire un truc que l'autre fois il a fait, m'a l'a aimé. C'est son rougail papaye. Rougail papaye? Tu rougail papaye, il est bon. Calix, tu sais, dans le rougail papaye. Ça même au diamant, tu fais pour moi. Ben, ça n'a pas de problème. Mais tu sais, quand il est travail, il n'est pas fait. Ah, mais il fait ça. Là, ça, il fait le petit rougail papaye là. Après, moi, on a des avocats. On a fait un petit peu aux gars, les avocats. Mais bon. Ce moment-là, je ne pose pas de questions. Vont ça fait ça. Non, la pas. Point... Non. La pas rien, elle ne mange pas. Non, la pas rien, rien. Ah, bon. Parce que l'envie vient d'une femme enceinte, d'habitude. Non, il ben, y en a des femmes comme ça. Les pas enceintes, mais l'envie. Voilà, il y en a beaucoup comme ça. Mais ça fait plaisir. À voilà. Nos rois de papa. À nos rois de papa. Allez. Ouais. Ah, ben, il prend le gros là, moi. Ben, c'est ça, quand ça vit, les oui. Gros là. Ben, il est bon. Il n'est pas jeune. Le petit là aussi doit être bon. Ah. Après, le petit, hein. Ah, il est bon, lui. Ben, ça, il est bon. Ah, il oui. Il faut les jeunes bon. Ou bien il faut les bien. Il faut décliquer comme en jeune. Normalement, il est bon, lui. Là, il est bon. Ben, il est bon. Elle a c'est ça. Ah, elle a c'est. Ah, oui. Ah. Il mange. De toute façon, le roi. Va faire les cales avocats aussi, va faire un salade d'avocat ou un rougail d'avocat. Rougail d'avocat. Mais il faut les avocats les verts, les jaunes. Ah, il faut les jaunes. Ah, il faut même comme lui, les mieux, les meilleurs encore. Ah bon? Ah, il faut, c'est un pâte, hein. C'est un pâte comme d'acatine. Ah, d'accord. Pour mettre piment tout dedans, piment, oignons tout. De sel, oignons. Ah bon? Ben, vinaigre, ben, citron, n'importe, un petit peu d'huile, l'huile d'olive pour faire plaisir aux oreilles là. Ben oui. Allons là. Non, t'as pas bon fait Claude aujourd'hui. Claude a pas encore donné la ligue. Un petit peu fatigué, ben, mais quoi, pas encore, mais un petit peu fatigué. T'as pas encore donné la ligue gasoil, non? Il n'est pas trop gasoil, il est plutôt essentiel. Mais pas du tout bon matin la gasoil. Non, tu es réservé pour aller rejoindre une bande péruvienne. Oui. Des péruviennes y arrivent. Ah bon? Ben, ils viennent manger, mais après, ben, des fois, ils reviennent, des fois, ils ne viennent pas. Oui. Mais j'espère avoir vu, j'ai vu ça. Ah. Elle est bon, alors. Ben, ça casse les avocats tout de suite, alors. À nos gars, les avocats. Ah, les avocats, là, mais là, où monte-tu le pied d'avocat ou là, en pantalon? Ah. Il n'est pas monté le pied d'avocat, moi. Mais où monte? Oui. Alors. Calix, la haine, là. Hein? Ou arrive, on est assez grand, enfin, vous avez monté le pied, là, là. Ah, ben, il est bon, assez. Il est là. Ah, elle est bon, en plus, c'est bon. Ben, c'est bon. La miel. Date, hein, la c'est. Ça, c'est ma. Pas besoin de monter le pied que tu es là. Ma t'es fait le casser, monsieur, là-bas. Ben, la c'est. Bien, le rassé. Bon, un rougail avocat, un rougail papaye.
Elle est bon alors. Après, nous allons appeler toute bonne madame enceinte aux alentours, viens manger. Ben attends, si on appelle toute madame enceinte, viens manger, ben nous rappelons pour moi, ben madame enceinte là où, qu'on est dans envie là. Il mange, ça t'es? Alors la peine est bon là, fin purée, ah, fin assolée tout là. Fin hachée, ah, fin lavée tout là. D'accord, hein. Fin lavée tout là. Waouh, la professionnelle d'habitude. Non, pas du tout. Mais il est santé, il travaille maçonnerie, il fait cuit carré, il plisse la pain, il tient la pain tout l'île. Il faut, hein. Ben. Madame d'être contente, hein. Oui, avoir un mari comme Oula, il fait tout. Hein. Ben voilà, votre coup de ma amie de la pain. Là, ça fait le matin, tu peux tout ça. Le matin, je fais, là, ça lui fait son lot. Ah bon? Après ça, disons que Ferreuse et Alien Spray, pas d'un seul coin, on y verra même en deux fois. Ouais. Et après ça, ben, ça donne la bière. Ben bon, là. Fais bon, Alien Spray de vin. Fais bon, Alien Spray de vin après. Voilà. Avec modération, hein. Parce que t'as l'air, il est souvent au long, là. Il peut consommer quand même, lui. Ok. On l'emmène aux petites machines, tout pour tout machin. Il y a plusieurs. Et rapide, là. Les gars, comme ça, il tient juste la pause. Il tient pas trop sur la chaîne. Moi, j'ai un petit coup, là. Moi, tu mets un petit peu le couteau là. Ça, une petite machine. Hein, tu vois un petit peu comme ça là. Voilà. Mais c'est une bête ça. Ah, c'est une petite bête ça. Monstre, ça. Tiens, ça. Donne la brasoire. Je suis malade à ça. Ah bon? Cette machine est très efficace pour que je concombre. D'ailleurs, hein. Si, rapide. Continue direction panneau restaurant plein, voire vraiment. Si, dans le centre. Et l'économe. Ah oui. Hein, c'est un peu comme un économe, parce qu'il dit, il enlève pas beaucoup, il enlève voilà, juste ce qu'il faut. Ah ouais. Dire, comme ça, il ne perd pas trop non plus. Hein. Ah ouais. Donc là, ça a le concombre avec la pain, alors. Ah oui, c'est l'idéal. Si la pain, ça a le concombre, il marche toujours avec ça. Ça, hein. Il marche très bien. Ouais, ouais. Et là-dedans, pour mettre un petit peu de sel, piment. Un petit peu de sel, un petit peu d'oignon, un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. Ouais, le ferreux, comme ça, ouais. C'est bien, ça donne à voir, on espère qu'on va manger bien manger 11h sans nous. Mais bon, à quoi il dit tout le temps il s'est mangé 11h? 11h c'est... Parce qu'il mange pas midi, ça créole, ça tout le temps il s'est mangé 11h. Hein, non, moi il mange midi. C'est l'habitude, mais logiquement, les vrais ce que vous dites, c'est midi. Hein. Bon, moi, pas longtemps tu manges 11h. Ben, après il dit comme ça, t'es 11h, fini d'arriver, allons manger. Ben. Joli, comment joli. Allez, ça va bon, il y aura la pain pour dire, ou bien, c'est mieux. Quel lot dedans. Quel lot dedans. Quel lot dedans. On a bien aussi bien pris. Ouais. Mais dis donc que donner une petite machine très efficace, ah, ouais, que j'ai un couteau, le couteau milieu que lui a un peu épais, ouais, ça là est plus fine. Hein. Pas pour moi, moi je prends un couteau de couper. Ah bon, ça est plus rapide. Équipé, madame, non. Ça est plus rapide, hein. Problème. Je sais comment il fait vite là. Ah si, ça fait vite que ça, c'est pour ça qu'on m'a ramené aujourd'hui là. Hein. La marche avec tout le matériel. Oui, la ramène un petit couteau, la ramène le. Ici pour le chocolat, on enlève pas trop la chaîne. Ça c'est chair. Quoi ça, on a parlé de on arrive en retard. On enlève la peau, ce qu'on ah ouais, ouais. Un côté où on enlève la peau. Fin d'essai, voilà. M'a pas vu, moi, on l'a vu. Ben, m'a fini de filmer, tout a fini de montrer. Donc, on l'a pas vu. Tout le monde a fini de voir. Ah bon. La fini passe dans ce canal austral ou pas vu. Ben non. C'est ben, miracle, bonne film, moi, ici. Ah ben. Là, au coup. Oui. Et après, l'autre. Après, ici, on fait comme ça. On commande rapide. Hein. D'accord. Plus vite qu'un couteau, hein. Et là, le côté, là, ici, va quoi hein. Et là, le côté, essayer. Là. Hein le côté, essayer. Ici, là, et papa, il faut faire pareil. Papa, il colle la main. Ben, que ça arrive un petit affaire sur le front, là. Ça hein. Ben, c'est un bijou, c'est joli. Ah bon. Ben oui. Ben, Catherine, maintenant, elle est mal barrée. Non, mais il est Catherine, il reste Catherine. Et fier d'être Catherine. Non, elle est venue Mahorez. Elle est venue Mahorez, alors. Mais Mahorez, mettez pas ça. Mettez pas de chafron, Joe Bell. Non, ma fille fait mon masque. Ce matin, elle a fait mon masque, elle lave le visage. Tout ma fille fait. Moi, je mets comme je rentre dans la mer, mais à chante après. Ah. Je mets mon chafron sur mon corps partout. Oui. Je vois pas comment moi, bronzer au chafron. Mais c'est les pratiques ça. Ils vendent ça ici. Monsieur Jean-Claude, ils vendent ça ici.
Oui, moi je vais essayer. Ah, parce que moi jamais. Rabat Saint-Pierre, elle a bien. Voilà. Elle fait la pub pour Rabat Saint-Pierre, elle a tout couteau. Non, mais c'est pas la pub, de l'acheter là. L'acheter là-bas. Bon, Rabat Saint-Pierre, c'est ça qui rose, là, pratique, elle a tout. Les bons alors, ben. Ok. Ben. On se coupe de main. C'est bon là. Papa, il y a fait jaune, hein? Ah, bien. Il est bon, hein? Bien, bon. Ben, bon. Ah, la mienne, hein? Ah, oui. T'as qu'un aime. La mienne, c'est joli. La mienne, c'est joli, ça. Ouais. Ah, c'est pas ça. Je veux dire, moi, regarde, c'est la pain chocolat de quoi? Ah, à moi, la pain, il fait chier, moi, tout le temps. Calix, il ne passe pas à faire comme ça. Ah, Calix, non, mais tu goûtes, allez, moi, bien sûr. Mon cuisine, on ne fera pas un pain, la pain au chocolat, ça, c'est pas bon. Non, c'est mon ça. Mais ça même, jamais. Mon papa, tu aimes le chocolat? Ah. Il aime chocolat. Casse, des cassins et de chocolat, pour lui dire, il mange le tablette, il mange le tablette. Mais même m'a fait la paix de chocolat, il mange pas chocolat. Il aime bien paix. Chocolat, mais mange à l'innaturel comme ça. Ben oui, c'est sûr. Un coup, il y en a fait où? Là-bas dans le sud-là, hein, ben, il dit pas combien tu as ma amie, comment il dit? Il dit bouchon. Bouchon ma amie? Ben, il dit, elle travaille avec un bouchon là, moi là. Ben, bouchon moi. Bouchon, bouchon bouteille, pas bouchon. Bouchon ma amie. Ben, pourquoi bouchon? Ben, il dit bouchon ma amie. Ah bon? Ah, pour faire le mami, vous dites bouche le mami, donc vous dites bouche au mami. Et après, tu pouvais le dire. Ben. Nous, dites bouche au mami. Bouche au mami. C'est ça, les gars, il y a le créole. Le créole, il est bon, senti. Fais ça, non, non. C'est arrivé là. Ah, le bien rond, là. Ah, le bien rond, là. Ah, non, mettez un peu de sel dedans, on va en faire plus rien du tout. Non, non, rien. Rien, rien, rien. C'est de l'huile. C'est de l'huile. Il n'y a pas de manger plus. Il faut mettre des plus, hein. Là, viens un instant, on va mettre des plus. Calix, c'est pas la moelle là-bas. Calix, c'est pas la moelle là-bas. Donc ça, viens de plus en moins. Papa, il a. Ah, papa, alors. Calix, tu veux plus en moins? Non, Jean-Claude. Ah, aussi, finalement, comme bon de monde, on plante une affaire, on ne veut pas une autre chagrin plantée. Les grands, la poêle de papa, il a. Dis tous les grands papa, il a. Mais ça, il fait exprès, ça. Il y a un petit bassement, ça. La chagrin à pied, elle est unique, ça. Elle est comme nous-mêmes, ça. Et ça, on connaît ça. On les trouve des Calix, c'est à dire. Vous mettez votre couleur là, au moment les blancs. Et il y en a 28 des enfants les noirs. 28 des enfants les noirs. Comment ça il est ça? Il peut pas moi. Pourquoi pas? Bye. Non. Ce moment les blancs. Oui. Ce moment les blancs. Ce moment on a 28 des enfants les noirs. Comment ça il est? Comme ça, il est froid. Hein, c'est un devinette, ça. C'est un devinette. C'est un devinette, ça. Ou le moment, les blancs, il a 28 ah, petits enfants, les noirs. Eh, vous connaissez quoi? Oui. Domino. J'ai domino. 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 J'ai domino. C'est les blancs. Dessous, toutes les noirs. Le bon enfant, c'est le bon. Le bon enfant, c'est pas les noirs. Vous m'avez connu, moi, ça. Le moment, la fraudée. Comment apprendre à la fraudée? Moi, ça me dit peut-être la fraudée. Là, me disant, là, comme là, ta papa, il veut te donner le grain, ou ta papa, il a pris le grain dedans, puis ça vient à plante papa, il comme ça, là, c'est. Ben, les miens, ils veulent déjà pas frauder, puis s'il y a pas de petits enfants encore, un petit papa, il est tendre. Et là, arrive la saison de devinettes, là, Jean-Claude Gigant, comme ça, il y a une devinette aussi. C'est quoi, une devinette? Je peux te dire, tu veux faire comment? Vous voulez avoir 5 frères, il faut un immeuble dedans, pour un dépanneur. Que ça, il est. Il fait pas moins? Quel est-ce que ça, il est? Dis-moi un coup, là. 5 frères. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Non, c'est pas pour moi, c'est parce que vous n'êtes pas là. Non, mais quand c'est devinette, on parle en français. Même Bourgeois, même Gino, Calix, Sonia, là, même moi, Jean-Claude. Nous, les 5 frères, il faut un numéro dedans pour un dépanneur. Que ça, il est. Qui suis-je? Nous, les 5 frères. Oui. Oui. 5 frères. Il faut un numéro dedans pour un dépanneur. Dis-moi que ça, il est. Un boulon la roue. Non, pas ça. Pour un numéro dedans, pour gagner des pannes les autres. Ouais, 5, le chiffre 5. 5, c'est quoi? Il faut un numéro. Absolument. Pour 4, donc il doit rester 4. Ouais, il faut absolument. Il y a un numéro pour un dépanneur. C'est de l'idiote question là. C'est pas moi. L'idiot? Allez, donne-nous un. Dis que le frère, comme les affaires. Pour autant, c'est une affaire, où tu utilises tous les jours. C'est quelque chose que nous utilisons à la maison? Ouais, on peut faire rentabiliser dans la maison. Oui, peut-être sur la route, peut-être sur la route ensemble. Est-ce que c'est un animal? Non, pas du tout, non. Non. Un objet? Peut-être sur la route ensemble. Un chien, oui. Peut-être sur la route ensemble. Un chien, pas de pâte. Il y en a aussi à 800 voix. Un roussecours?
De voiture. Voiture. Comment? T'es presque. Pour utiliser trop de secours, il faut un ouvrage, une roue qui croit, il faut mettre l'autre en place. C'est... Ouais, Gino, appelle à nous. On a vu où ça il loin comme ça. Allô, Gino, donc. Ça veut dire maman. Ah, bon, non Gino. Là, les bons. Les roses. Là, les bons. Ah, là, il est rose, là. Ah, moi, j'ai fini de manger. C'est bébé, là. Gino, aussi bien rose, là. Ah, moi, les roses, dis-moi, là. Les roses aussi. Ah, mais elle te fait comment, là. Elle te fait là, elle te fait qu'il y a. Ah, oui. Tiens, paye de lui, là. Jean-Claude, où toi, là, écoute la fin, là. C'est mieux d'ordre, là, parce qu'il faut pas m'y laisser trop descendre. Ah oui. Tiens un peu d'huile dans l'eau. Tiens un peu d'huile. De l'huile, ça vous-même. Et ça, son bouchon, il est. Qu'est-ce son bouchon? Ah, aussi, comment on se pose comme ça? Mais là, il y a un bouchon mamie. Mais bien, le chien, mais quoi, comme bouchon mamie? Même il dit. Ah, c'est un bouchon mamie. Attends, bouchon mamie. Bouchon mamie. Bouchon mamie. Mais bon, là. Là, il connaît où ça il est, il m'a mangé. Il va le rendre le bouchon mamie. Il va le bouchon mamie. Eh, pourquoi il prend pas un bouchon bouteille? Un bouchon mamie, hein? Ah, il y a un bouchon mamie là. J'attends un petit peu l'huile, non? Ça m'approche pour que... C'est dangereux, ça, quand ça tombe là. Ah, ah, imagine de l'huile avec autant d'arras, ça les chose, hein? Ça les chose, hein, maman? Ah, bon, hein, Gino? Bon, il y a ce bouchon là, c'est déjà le voilà. Bouchon. Hein? Là, on faut ce bouchon. Tout le monde mange. Bien, il faut qu'on lave de l'huile. Hein? Ça, c'est un bon conseil, ça. Hein? À son affaire. Allez, rose, mon. Là, il n'y a plus la crête, là, c'est. Ah, la crête, bien, bien. Puis la crête, le volcan, là. Le volcan. Merci, volcan. Ils sont tous depuis dedans, là, alors. Là, il a les chaud, là. Là, il a les chaud, alors. Fais de la rien, tomate, non? Hein? Tomate, non? Tomate, non, mais c'est ça, oui. Faites le truc de. Là, on va mettre l'oignon, voilà, l'ail. Le thym. Le thym, le poivre. Le poivre. Ou le mettre qu'on va voir aussi dedans, alors? On va voir. Hein? On va voir l'ingambe. Hein? J'ai un jambe aussi, alors. Là, donc, un bon petit poulet créole qu'on va voir, là, alors. Hein? Un petit poulet créole. Ben. Ça vient d'avoir fait bon. Ouais, c'est bien. Après, c'est de l'eau. Là, s'il n'est pas rouge avec ça, là, il est tout rouge, hein? C'est ça. Là, on va mettre un peu pour le manioc. Comment il est là, la sauce, il est bien gras, hein? Il est épais. Il est épais? Il est épais. Ah bon, alors. Ouais. Pour le manioc, hein, non, donc tu as résolu, hein? Là, tu connais, là, ça... Ça dépote les avocats là. Ça dépote. Il dit ça dépote les avocats. Dépote les avocats, les dents qui allaient. Comme un conteneur ou dépote. Dépote les avocats. Dépote les avocats comme il dépote le conteneur là. Voilà. Ah bon alors. Ben, tu as tout ça que les bons. Et vous gagnez dépote le conteneur. Après, les êtes le conteneur. Et pas je dépote le conteneur moi. Les avocats, ils gagnent dépoté. Si la pomme, tu peux améliorer, non? Là, elle est bon là. Comme hein, ça, elle est bon, pas besoin. Il décolle bien. Là, il crase, allez. Ouais. Après, il a autre chose. Il est bon là, ok. Oui, oui, mets la main. Qu'est-ce que vous avez? Ça vous a fini là. Bouge plus. Ah, là, il bouge plus. Avec moi, il bouge. Allez, allez, bon, allez. Bon, hein. Bon. Vous mettez tomate dedans? Ah oui, mais tu peux. Ah, vous n'avez pas vu pour la mettre tomate, hein? Vous avez volé, hein? Ou pas fait la moins? Non, on va mettre quoi? On va mettre les épices. Ah, après, tu peux mettre tomate tout de suite alors. Non, non, après. Le temps mis un petit coup là-bas, on va mettre tomate dedans. Non, mais on va brûler. Hein, les bons. Mais là, tout le monde t'en garde. On va dire, on va mettre tomate dedans. Non, dites tout le monde, la mettre tomate dedans, hein? La mettre tomate. La mettre tomate, hein? On va pas mettre bon peu de tomate dedans parce qu'il y a aucun carré qui ne met pas vos peu de tomate. Trois tomates seulement pour tout ça là, hein? Ah, elle est bon alors. Elle est plus vraie, c'est un beau carré créole. Non, maman, oui. Oui, tomate, c'est douce, il trop. Ben, on met trois tomates, deux tomates. Mais puis, ils mettent pas du tout tomate ici. Ah bon? Carré créole là-bas, pas là-bas. Ben. Ah bon? Il est joli, hein, mais il est bon. Non, ben, monsieur Box. Ah! Eh, le calcio, vous même pas manger? Ben, quand madame, voilà, mais il fait qu'il arrive. Ah bon? Il arrive, on l'est, arrive. Hein. Ah bon? Ben, ah. Quand il arrive, et puis il embrasse mon petit coup. Puis, ah bon? Ben. Des côtés? Ah, des côtés, des côtés. Ah bon, des côtés alors? Disons, madame, on est à la sauce. Ah! Ah! Parce qu'il arrive, ça va manger, c'est plus Gaïa, ça? Gaïa! Il y a deux mondes dans le sud, Gaïa, c'est ça?
Hein? Il y a deux mondes dans le sud-gay, c'est ça? Ben. Il y a deux mondes dans le sud-gay, c'est ça? Ben. Ça pas dire, moi, mon cadre de monde, ils sont en haut, là. Non, mais deux mondes dans le sud-gay, attendent toujours des bisous de chaque côté. Hein? Donc, il faut manger, attendent madame arriver. Ah bon? Et ça tient en haut, ils attendent quoi? Mais ils attendent pas rien. Ils arrivent, ils donnent le bisou automatiquement. Ah. Ou pas où? Non? Calix, dans le sud aussi, parce que, hein, Calix, à où là, contrairement à Banna, là, à où t'es dans l'est? Tu es dans le nord et après on partit dans le sud. Ben. Et alors où l'a vu le changement? Ben le changement comme Gino Diao là-bas là. Il faut avoir fait qu'il mange des bonnes formes là, c'est une forme faux de rôle là-bas. Ah bon? Ici même... Il y a un petit bisou de merde là. Ah, c'est ça? Tu n'as pas fait qu'il mange là pour rien pour. Ah bon? Quand il dans l'Est, vous ne faites pas cuit, c'est le bonne forme fait cuit pour. Ah, mais dedans, là, je ne me sens pas ici moi alors. Ah, mais côté moi, mais ça parle de côté moi. Là-bas, vous faites que tu peux manger madame, quand on va arriver contre un coup. Ah bon alors? Là-bas, tu peux t'écouter. Bon, bien alors. Et je fais pas lui d'écouter boire. Ah bon? Quand est-ce que tu veux mettre dans là? Un petit peu l'huile d'olive, fais plaisir aux oreilles là. Tout le temps il parle à l'huile d'olive. La poucrase est meilleure. Ben. Il est comme de la cacine là. Après on va mettre piment, mettre un petit peu l'ail, un petit peu de gingembre. Piment, gingembre aussi. Gingembre. Piment, l'ail, gingembre. Ben. Après, oignons aussi, non? Hein? Oignons. Oignons verts, un petit peu persil. Ah. S'il avait coton mil, t'es encore meilleur. T'es encore meilleur? Banana. Ah, alors, autant coton mil, coton mil, coton mil, comme là, par exemple. Là-bas, il dit coton mil. Ah, moi, ils disent oignons. Oignons? Comme dans ton longtemps, ils disent oignons. Parce que non, on dit oignons. Oignons? Ah, on dit oignons, là. Oignons. Mais je pense que ça. Et ça va plaisir, oignons. Ça où? Bon, là, arrête de me caler, alors. Qu'est-ce que ça fait tirer là? Ben il manque un avocat, mais pas mieux, ça passé? Il connaît un homme 16, la meilleure femme 16 ici, Ote, où est-ce que ça va aller la tolle là? Où est tombé tout à l'heure? Fais ça ta fenêtre comme hier. Là. Et là, on sort des avocats. Damon, ça va, s'il te plaît? À cause? Le toit est chaud. Aïe, la tolle il brûle, il poque. Aïe, aïe, aïe. Non, Damon, ça va, c'est un soulier ça. Mon, ça va. Why? Allez. Comment on y croit mis sur les jaunes? N'est pas encore bien jaune ça? Pas bien jaune? Ben non, mais encore dur. Hein. Là-bas nous parce que les avocats n'aiment pas qu'il y ici en haut hein? Calix! Ouais. Il est encore dur, il est pas. Toutes les dures? Là, il est encore dur. Ouais. Bonjour, bonjour, bronze. Ah là, ça est bon. Donc ça l'a tombé les bons alors? Les durs. Hé, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Allez! Mais là, elle va tomber en bas. Regarde le bon cheval là, comment il arrive en bas et ça mange ça là. Hé, hey, l'avocat là, tu tombes sur tête cheval, tu es cheval. Pour dire où il n'est pas mieux. Celle-là, on dirait, elle est bon, mais bon, elle est un peu dure quand même. Hein. Ouais. Bon, allez. Hé, hey, allons sortir le toit là, mon ça va de d'autres pieds, moi ma peau ça va de moi. Ok, les chauds. Donc, t'es, attends là, les chauds. Hein. Ah, les chauds. Allez, allons descendre. Bon, allez, allons descendre. Avant, parce que avant, bon. Pour miguer mon pied de bois, mais descendre gay pas. Okay. Les bons. Allez, descends. Eh, hey, il monte là, c'est tous les jours, lui. Ben. Date comment il sort. Ah là, merci Calix. Non, ben à moi là, Calix connaît pas, moi il est une fille de la nature, moi. À moi, mon pied de bois, il grimpe partout. Pied coco, bien monté. Oui, pied coco tout. Mais va plus, je dis, mon bras, je mon pied coco. Si, pourquoi tu as moi mon pied coco? C'est pas lui. Hein? Ben. Non, ben à moi, mais pas comme ça, maman, point d'affaire, si elle s'appelle, il casse, moi. Bon, allez, allez, fais les avocats là. Pas comme pour le casse des infos. Un petit peu de le blanc de soignon vert. Le blanc seulement alors? Oui. Ouais. La tête laquée ou? La tête soignon vert ou laquée? Ah, le blanc. Le blanc. Le blanc. La tête laquée, non, la tête, ça, la tête. Ah bon? Pile en l'air, la tête. Pile en l'air. Dans la terre. Ah bon? À mon endroit, la tête en l'air. Qu'est-ce que c'est ça? La tête là en l'air, non? Ah, la tête en l'air. C'est ça la tête. Ça la tête.
Ça la tête. Ça la queue? Oui, ouais. Ça la queue. Mais pourquoi la tête est dans la terre? Mais le tête de l'eau, il vient tête de l'eau, lui. Oui, mais il vient, la tête est dans la terre et après il monte en l'air. La clé en l'air, non. Eh, comment on comprend tout à l'heure? Oiseau nous là, il n'y a ni queue ni tête. Ah oui, c'est vrai. Niqué, ni tête. Mais après, vous expliquez, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, ben, vous comprenez ni queue ni tête. Voilà. Bon, on finit de mettre toutes têtes d'oignons dedans, ou bien toutes queues d'oignons, ou bien toutes têtes d'oignons. Et là, on met un vrai oignon. Voilà. Bon, on m'a donné deux petits piments d'oreilles là-dedans, qu'un petit bout de gingembre. Fais pas être trop fort, on est là. Non, moi, ben, pas trop fort, juste pour dire. Un petit grain de sel dedans, un petit peu de poivre. Après, on a dégusté. Okay. D'habitude, c'est Claude, les oreilles pile. Ouais. Il n'y a pas de strap de bonne. Ben, il y a un pilé, pas en forme, il est fatigué. Ah, pas tirer rejoindre notre monde, là. Mais depuis 10h30, pas tirer rejoindre notre monde, allez 11h30 pour arriver. Pas payé de chemin. Non, on a donné rendez-vous à l'église. On a tout pour changer, alors. Non, on a donné rendez-vous à l'église. Peut-être bonne période. Là, il rentre dans l'église, il fait la prière. Avant, il monte. Ben. Jean-Claude, attends de couper là. Gros piment, voilà. Ça, c'est pour te civer la fin. Voilà, à la fin, il faut à la fin, mettre dedans. Ouais. Tu vois, ça va. Passe bien aussi, va. Prends un petit peu sur le verre. Un petit piment d'achat ensemble, après en lame comme ça, la picarde. Hein. Quoi arriver? Vous connaissez où ça sort là, Tifiguia? Tifiguia, ah, mais vous connaissez l'isque là? Ben oui, vous connaissez qui c'est le Tifiguia? Vous ne pas moi? Tifiguia, c'est le frère de ma coiffeuse. Vous aimez? Ben, vous ne l'avez jamais dit à moi, oh! Ben, vous aimez mon amour, vous ne connaissez pas, monsieur? Ben, et là, pour sa commérage. Nous découvre ça fait. En plus, vous avez sort d'après où, la chasse lièvre? Regarde son lèvre contenu, là. Eh, dis pas moi, où sort de la chasse lièvre qu'on y mange la pain? Ben, ils sont obligés, il n'a pas gagné. Lapin, mon lapin, pas grave ça. De toute façon, là, c'est nous sommes, pas ça bien. Et comment ça, nous sommes? Ben, nous sommes, nous sommes, pas nous sommes. Nous sommes, pas nous sommes. Le jour-là, il chasse le lièvre. Même bien ici, nous sommes dit, parce que tu as l'air de vous parler. Il nous a dit, il paraît que le lièvre est meilleur que lapin. Moi, il mange pas. Mais là, ça, c'est jusqu'à moi. D'autres n'ont pas pris. Il mange pas? Il mange pas quoi? Lapin, lièvre? Mange pas lièvre. Lapin, mange? Oui. C'est quoi la différence? Ah, une grosse différence. Ah bon? Lapin, le lapin, il mange pas. Non, peut-être parce qu'on a trop mangé. Ah, peut-être aussi. Ouais. Mais si, par exemple, il fait un civet lapin et un civet lièvre. Il fait cuire là, il donne à où? Est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Ah, si. Sans dire à où, hein? Si, c'est. On gagne? Ah, le goût, la couleur. Le goût sauvage, tout ça. Ah, différent. Ah. Très différent. Ah ouais? Ouais. Mais. Après, il dépend comment les cuisiner aussi. C'est ça. Il faut les cuisiner. Ça, faut les cuisiner. Allez, garde, écoute, deux autres mamies. Tiens, ouais. C'est Rosie, Ali. Là, on peut y rendre, là. Ouais. La fin. Il y a encore une petite maman, Ali, mais il va, Rosie. Attendez, on dira bien, bon changement de couleur. Hein, mais un grec. Là, il manque pas un peu la viande, non? Non, parce que là, il fait vous typer pas typer, y'a. Non, mais moi, là, moins bon, ça, c'est rien. Ah non, on fait 100 km pour niment lapin garenne. Mais pas bon, ça c'est amateur, mais les animatrice. Amateur. Non, ben, hé, quand il gagne, il gagne pas, ça c'est pas bon. Ça c'est un chercher la rive Brodouze. Après niment lapin. Pas mettre lièvre dans le carocanau. Ben justement, ne soyez pas nous ça. Ne soyez pas. Ne soyez pas ça, non. Ça volé. Mais ça va voler. Ça va voler les qualités de l'autorisation. Là, on se la fait. Longtemps, tu fais ça, c'est bon. Longtemps, ça vole bien. Quand tu voles bien, pas la nuit, hein, vole bien. Là, on l'a fait un petit peu pas d'écrase, hein, mais le long, là, pour faire un morceau comme ça. Pas trop. Sous le nez avec 2-3 personnes, ça va, mais là, avec 3 lapins comme ça, là. Ça vite à payer, ça fait rosier. Il y a une mieux ferroisière comme ça, va. Ah bon? Je laisse tout le temps en grande quantité. C'est pas bon? C'est un grand marmite, bon. Ouais. C'est un grand marmite, bon. C'est un grand marmite, bon. Un petit marmite, il faut bien aller en. Ça va, ça m'a l'air d'une grande salle. C'est ma petite gilet.
Bien Ferrosia. Bien Ferrosia. Voilà. Quelqu'un appelle Rosine. Voilà. Ou tu connais quelqu'un qui appelle Rosine? Oui. Mais Rosia, non. Non. Rosia, c'est le masculin de Rosine. Non, Josine. Ah, Josine. Là, tu peux le mettre dedans, là. Mais c'est ça. Les oignons, de l'ail. J'ai un vent de craser en premier tour. Ouais. Le poivre, bon poivre en grain là. La crase de poivre, la crase là, la crase d'ail aussi. Donc pour faire de la pain, on fait frire bien de la pain. Nous dirait au là, cette couleur là, nous c'est le fumant, et puis rosier encore. Le compost c'est où sur ce bois même? Oui, oui, c'est le bois, oui. Un litre égal, c'est moi, non? Ah oui, oui. Ah ben, économique, c'est ouais. Oui. Un bouteille de gaz, mais combien de temps chez vous? Un an. Un an? Ah oui. Ah. C'est peut-être manger assez souvent. Ah oui. Ah, où les pieds vivent pas dans l'immeuble? Ah, n'y aimerait pas. Non, pas du tout. Ah oui. Il rajoute un petit peu la pâte. Ah ben, on va chercher aujourd'hui. Hein. Je veux pas aller, il n'y a pas de tamarin. Pardon. Pour autant, finalement, la pâte lapin. Et la pâte lapin, il ne mange pas ça. De l'enlever, la pâte lapin là. Hein. T'inquiéter? Eh, qu'est-ce que ça coûte de la dentifrice? Eh, viens voir, ils mettent dentifrice en de là. Dentifrice? Oui, ils mettent dentifrice dans la... Eh, nous, tu connais le lapin au chocolat, mais là, c'est lapin dentifrice? Non, non, c'est quoi ça? C'est du tomate concentré, ça. Voilà. Tomate concentré. Ça va mis à mettre d'un op. Ça de la mise pas où, c'est quoi? D'un op. On va manger, là, on a coupé dans le non, là, il ne fait pas la pub, mais on voit pas comment ça s'est mis. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sirop gingembre. C'est un sirop gingembre? Voilà. Sirop gingembre. C'est moi. Vous l'avez fait? Oui, il y a un morceau de gingembre encore dedans. Ah bon? Là, bien ça. Pas un petit peu? Et les sucrés, les amis? Non, il faut connaître doser pour pas être sucré. Moi, on y rajoute un petit peu, mais ça, c'est. Ben, une vraie couleur, ça, c'est meilleur. Mais comment on fait le sirop gingembre là-haut? Ben, nous, on met le sucre de gingembre. Oui. On fait bien à bruire. Et puis, on met au moins 2 kg de sucre. Oui, on laisse bien à fond. Bah là, il n'y a pas le sirop, là, il n'y a pas le sucre. Non, non, il faut lui mettre suffisamment de gingembre ici. Hein. Ah bon oui. Un kilo de gingembre pour 2 kg de sucre à peu près. Oui, c'est vrai, oui. Bon, allez, mettre le dentifrice dedans, c'est-à-dire. Pas, mais tu peux avec tomate concentrée quand même. Oh, tomate concentrée dans le pareil avec le tube dentifrice. Hein? C'est un peu ça ben ouais ouais. Monsieur Box, oui. Monte un petit coup ça là. Ah ça l'est, oui. Dentifrice. Ah. Sur la langue. D'accord. Ouais. Ça là c'est tomate. Ah bon. Eh, vous connaissez la pire des choses qui peut arriver à nous dans une maison. C'est quoi? C'est tomber un matin ou les presser pour les travail devant un tube dentifrice vide. Ah oui, là les molles, il n'y a pas grand chose dedans. Les molles ça hein? Oh, ça va bon? C'est la pire des choses qui peuvent arriver. Oh, ça va bon? Un tube dentifrice vide. Oh, bon, ça va bon? Ça va bon? Ça va bon. Ouais, puis l'entente, il fait blanchi. Ça va bon, il ne faut pas rire toute la journée. Ou à nous, il ne rit pas du tout toute la journée. Ça va bon, ouais. Bon, là, ça va. Et là, pour mettre dedans, là, un peu de sauce. Un savre, un savre. Un spécial, wow. Alors. Bien les faits, on va mieux pour avoir un peu de couleur. Hein. Mais c'est pas de vin, ça, parce que dans un civet, mettre de vin, ou mettre siave. De vin, il arrive pour lui. Parce que regarde, là, les bougies sont couleurs. Regarde, Avec consommation, avec modération aussi, c'est le vin. À boire de consommation, c'est un aptus ça, hein, m'y connais. Révélateur, peut-être ça, pas. Nous, hein. Nous, la fin, il boit. Nous la fin, il boit alors. Bon et puis nous mange le lapin. T'as bien bons animaux, on a la chance. Tu bois avant que tu manges. À nous, brûle à nous. Ben. L'azote d'azote, le rhum de l'azote. C'est pratique, hein? La douce tomate. Ouais. Non! La douce concentrée. Tu veux dire ça, la douce tomate? Concentrée de tomate, quelle douce tomate? Là, tu prends une douche double, de tomate. Double! Ah, double concentrée de tomate. Du douche tomate. Ça prend la douche avec ça? Jean-Claude, les bons? On commence à goûter? Ah, nous, le dessert, hein? Ah oui, là oui, là oui. Et là, pourquoi on rajoute de vin dedans, là, hein? Non. Le bouteille de vin, là, encore à terre. Oui. Ah, ben oui.
On va saler un petit peu. Voilà. Cabaret au taxi B, joli paradis. Voilà. Joli, pas joli. Joli, pas joli. Cabaret au taxi B, cabaret sucré salé. Cabaret au taxi B, Diego Nocibé. Diego Nocibé. Cabaret au taxi B. Cabaret sucré salé. Cabaret sucré salé. Cabaret sucré salé. Ah, et là, ça bien marché, ça, la fin sucré salé. Si. Ah. Les gens ils aiment bien quand même. Ça fait son son, nous, là. Là. Ça monte un petit affaire, nous, là. Ah, aussi on peut nous bien en studio, nous voir en audio. Ça dit que ça dans deux mots, là. Ça va être un stade de la chanson, là, bientôt, là. Ben non, pas stade de la chanson, mais nous dit un petit bout de nous connaître. Déjà, on est connu de la cuisine, maintenant, ce sera dans la musique. Après, vous tout ça fait encore, si, bientôt, il faudra qu'on s'occupe. Après, je fais... Ben, tous les ans, nous redonne affaire. Il faut mieux qu'il pas moi. Combien de bouteilles de vin maintenant là? Deux? Ah, au moins un et demi. Et, ben, nous sera sous. Et là, on va mettre dessus le bouchon. Ah, oui, faut bouchon, allez, comme ça. Ah, bouchon, mettre bouchon. Mettre bouchon. Bouchon. Ah, oui. Et mettre bouchon, ma amie. Bon, bon, bouchon. À moi, je connais bouchon et moi, bouchon, six bouteilles de vin. La belle bouchon, c'est ma amie. Mais, ah aussi bouchon? Ah oui, bouchon là. Ah aussi bouchon? Ah oui, c'est bouchon, il dit. Dit bouchon. Oui. Mais dans le sud, t'as pas ça, dit bouchon? Que ça arrive? L'a oublié. L'a oublié, c'est ma amie. L'a oublié. Non, mais là, l'école, où peut ça bien être ma amie, ton paille. Il n'y a pas ce pas à grand brûlé. Ah ben oui, là. Bah là, ça, ça nous aide, là, on va la faire. Pas privé. Non, ben ça prend le temps pour cuire. Raconte quoi, blond, on a parlé. Raconte l'air. La raconte l'air. Ah, elle fait pili. Il n'y a qu'une fois ça. Il était content, hein, parce que quand il enlève le couvercle, bah, là, de faire sorte de temps. Ben oui, vu le nombre d'alcool il y a maintenant de là. Un litre et demi. Il faut le payer, il faut le prendre. Voilà, il faut se boire bien demain. Hein. Hein. Eh bon. Mais ben, elle est bon alors. Bon, maintenant que ça, il faut là, y attendre à l'écuyer là, c'était là. Là, mais là, ça y est, séché un petit peu. Ouais. Après, il met un petit peu d'oignon vertu, un petit peu de piment hachard, les hachés en lame. Enfin, là, il y a celui-là. C'est bon. Terminé. Piment hachard, on appelle ça où? Gros piment. Voilà. Mais après, comme il fait hachard avec, donc on appelle les piments hachard. Voilà, les mesures que les tradition longtemps, bah ajoutez, moi un peu de piment, mais ça dit pas, non, un peu dit pas gros piment, il dit, mais ça ramasse deux piments à char là-bas. Ah bon alors, hein? Oh, ben les bons là, donc nous attendons alors, hein. Oui, ok. Mais bon. Alors, il s'en va lit? Ben, il s'en va un bout. Il s'en va un bout? Oui. Ouais, il cause, il regarde pas ma amie. Ben, on l'a vu, quand on a un paquet de monde, obligé d'occuper un peu tout le monde. Ben, à force d'occuper de monde, ben, ma amie t'a pas. Il passe pas à bon bruit. Mais il a récupéré. Voilà. Il fait un petit rougail papaye avec ça. Mais bon, là. Ça, qu'à l'époque, ça? Ça, à l'époque, mon vieux parent. Bon. Mon vieux parent, quand il fait que manger, il fait des flambards. T'es souffle comme ça? T'es pas un bout de bambou. T'as pas besoin de mettre la tête dessous non, comme ça? Non, mettre la tête. Après, mon bambou, bambou, mon longtemps. Oui. Mais après, mon bambou, tio. Oui. Il longtemps, t'es mon bambou, sous la. Ah oui. Il est parti, ouais. Eh oui. Parti, qu'un, donne-toi longtemps. Donne-toi longtemps, c'est tu rajoutes des oignons à l'intérieur? Je rajoute les oignons, piment, sel. Et tu coupes ça à la main? Ben oui, comme d'habitude. Comme d'habitude? Ben oui. Mais oui, mais parce que comme d'habitude, oui. Madame, elle ne sait pas. Non, elle oui, sait pas. Je connais elle sait parce que madame est péruvienne. C'est ça comme ça on dit? Oui, je suis péruvienne et que j'habite en métropole. Et je coupe avec ma petite planche et c'est pas si fin et c'est pas si fin que ça. C'est pas aussi fin. Alors ouais. Moi j'ai le coup de main. Oui. Alors il faut que je prenne les coups de main. D'accord. Oui, vas-y. Et quand elle va partir, oui. Ben elle va parler créole parce que depuis tout à l'heure j'oublie moi qu'elle est là. Donc du coup, m'cause rien avec mon créole. Oui. Et elle comprend pas. Il y a quelques mots. Comment? Donc voilà. Donc je pense qu'avant de partir, elle va parler créole. D'après tout le monde vient ici, un mot de l'école. Ça va. Ben, elle est obligée parce que nous, cause que créole, c'est tout, moi. Bon. Et en Amérique latine, là-bas, on parle quoi comme langue? Alors, en toute Amérique latine, on parle espagnol, oui. Sauf au Brésil.
Au Brésil, c'est le portugais. Les portugais brésiliens. Et vous avez vécu longtemps là-bas en Amérique latine? Ah ben si, je suis en France depuis 25 ans. Et après, j'ai vécu au Pérou, que je suis née au Pérou, oui. Et en Argentine, parce que ma mère, elle est argentine. Et mon père mexicain, alors du coup... Et il paraît qu'au Pérou, et c'est pas l'or qui coûte le plus cher, mais ce qu'on trouve dans les hautes plaines du Pérou, qui est une petite plante qui est très à la mode actuellement et que tout le monde, la planète entière, récolte et veut acheter. C'est le maca, là. Voilà, le maca. C'est quoi le maca? Oui, en fait, c'est une plante qui donne la force, qui donne l'énergie, qui sert pour plein de choses. Et c'est très recherché maintenant et ils l'utilisent même dans... Bon, les Indiens déjà l'utilisaient. Et maintenant, ils l'utilisent même pour faire quelques médicaments, pour donner la force et tout ça. D'accord, c'est très connu. Et c'est une plante qui pousse dans des conditions très arides. Oui, c'est dans l'altiplan. L'altiplan, c'est la cordillère des Andes. C'est un peu éloigné parce que le Pérou, c'est assez grand. Oui. C'est trois fois la France. Trois fois la France, mais c'est très long. Et c'est long. Et il y a sur la côte, on a 3000 km de longueur. Et après, il y a la cordillère des Andes avec le Machu Picchu, tout ça. Et l'Amazonie, que c'est comme ici. Il y a la végétation, il fait très chaud. Il y a l'Amazone, le fleuve, l'Amazone et tout ça. D'accord. C'est un pays qui fait bon à vivre. Oui, mais très difficile si on va dans la cordillère des Andes, parce que le climat. Ah, l'Amazonie aussi, c'est... Bon, sur la côte, c'est bien. On a l'océan Pacifique. D'accord. Et on mange quoi là-bas au Pérou? Ça ressemble beaucoup à tout ce qui est la cuisine créole de la Réunion. Mon mari, il était enchanté parce qu'on a mangé tout ce qui est civé, le curry et tout ça. Ça ressemble beaucoup. Et on mange le cabri, on mange bon, du poulet, on mange le porc et tout ça. Mais ça ressemble beaucoup et très épicé. Pimenté, tout ça. D'accord. Okay. Mais écoute, tout à l'heure, on va manger un civet lapin, un carré de coq. Tu vas nous dire tout à l'heure si ça ressemble à celui du Pérou. D'accord. Okay. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Quoi arrivé? Comment vous goûtez lapin, là? Hein? Viens voir ça. Belle Claude. Là, les films tirent sur ma amie de lapin, il n'est pas de manger, hein? Non, il y a à remettre un instant si de fait. Ah bon? Ben. Elle est bon, ça. La couleur est jolie, hein? Ah, elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Vous allez voir comment beaucoup ça sort là-dessus là. Claude! 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 Viens, mon viens goûter la pâte. Il paraît que c'est toi le goûteur. Je suis bien. C'est toi le goûteur. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas payé. On t'a pas vu beaucoup aujourd'hui, hein? Les gens, ils vont appeler, ils vont dire, on n'a pas vu beaucoup Claude aujourd'hui. Hein? Claude, il est là pourtant. Hein? Oui, il est là, mais il s'est fait discret aujourd'hui. Hein? Goûte la pâte. Ah. Ah, par contre, il filme pas moi, laisse-moi goûter mes films. Les bons, il filme pas où? Goûtez, il filme pas où? Gino, c'est bon? Parfait. Alors? Ça, c'est pas Gino, c'est Jean-Claude. C'est que Jean-Claude l'a fait. Il veut dire beaucoup de choses. C'est bon, là. Oui, on a aidé. Claude, parfait. Vous n'êtes pas très rose aujourd'hui, hein? C'est le spot que l'on voit là, Ola, qui te rend un petit peu rose, hein? Mais tu n'es pas rose de la tuyau, toi, hein? Tu es blanc. Tu es blanc? Bah. Ouais, mais tu passes du blanc au rose. Oui, donc tu es un homme de couleur. Absolument. Ah, exactement, comme on dit à chaque fois. Toi, que toi, tu es un homme unicolore. Moi, oui, moi, je suis noir, et puis c'est seulement noir. Mmh. Toi, tu es un homme de couleur. Des fois, je suis gris aussi. Ah ouais? Ah, ça dépend de la santé? Ça dépend du nombre de... De copines que tu as? Non. Non, toi, non, 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 parce que... Non, ah, oui. Toi, il n'y a pas. Non. Tu vis ton âge, toi, tu es... Je le vis gentiment, mon âge, tu vois. Voilà. Oui, oui. Tu nous as jamais dit ton âge. Mais si. Mais non. Tu nous as jamais dit ton âge. Mais dis-moi au creux de l'oreille, Dis-moi ton âge, là. 73 Printemps. Printemps. Ah oui, mais c'est jeune qu'on a des 73 printemps. Hein. Imagine qu'on avait 73 été. Tu m'étonnes. Ah, oh là là. Ça passe pas, hein. Ah non. 73 printemps. Ouais. Bon. Et toi, t'as quel âge? J'en ai 66 ans. On a 70? 66. Printemps aussi. 66, monsieur. Printemps. Mais Gino, c'est un jeune homme. Ah.
D'accord. Les gramounes, mais c'est, je suis content parce que je suis entouré que de jeunes hommes. Oui. D'accord. Alors le canard, ben, le canard, le lapin. Le lapin, il est excellent. Vraiment. Excellent le lapin. Ça n'a rien à voir avec le civet que c'est bon, l'on a. Et tu as vu avec le sirop de gingembre. On sent bien le sirop de gingembre. Ouais. Ah oui. On sent bien. Ah ouais. C'est d'accord. Alors, très bon. Bon, moi je suis plus en carême, donc aujourd'hui je vais pouvoir goûter. Hein. Ah bah c'est parfait. Ah c'est bon alors. On se retrouve tout à l'heure, alors, Claude. Tout à fait. C'était un plaisir de te revoir aujourd'hui. Bah oui. Hein, il y a fait un bout de temps que tu n'avais pas vu. Ça fait bien un mois. Ah bien, bien un mois. Si, si, si. Peut-être un mois. Ah non, la dernière fois c'était avec les ourites. Avec les ourites. Ça fait mais après, entre temps, on est allé faire d'un carré de tang à la forêt de Bébourg. Après, on est allé à Mayotte, cuisiner à Mayotte. Et la tripe de bœuf. La panse de bœuf. C'est bon ça? Ça va. Un peu spécial, mais bon. Ça va. Ben là, je dois partir à Madal la semaine prochaine. Ouais. Et les ourites, j'en mangerai là-bas, je d'accord. pense. Et tu nous ramèneras des images de là-bas? Oui. D'accord, si alors. Si tu veux bien, oui. Okay. D'accord, alors, Claude. Tout à l'heure. Allez. Alors, monsieur Bock, c'est bon? Bah, là, il compte bien partir. Là. Il compte bien partir. Là, il travaille. Il compte bien rose. Et compte bien réduire. Bien réduire. Ah, oui. Là, il faut laisser quand même un petit peu. Ouais, 5 minutes, 10 minutes. Hein, mais le lapin, là, commence après où? Il finit par où? Ah, oui, mais là-bas, ça fait vite. Lapin, ça fait vite. Ah, vite. Bon, là, il est fini alors. Ah, là, presque fini. C'est bon, parce qu'elle a beaucoup de moules pour arriver là. Ah, oui, mais presque tout, non? Presque tout. Ah, là, il est arrivé. Enfin, bien, il est arrivé tard, là, lui. Ah, oui, allez, il est arrivé avec beaucoup de mal, là. Depuis tard, là. Depuis tard, là. Ben, pas trop grand genre, mais dernier coup de main, vous gagnez un petit peu quand même. Ah, ben oui, il faut. Avance un petit peu. Les bons, alors, les gars, les petits pas qu'il moule arrivé. Et tout ça, là, de mon Saint-Joseph, même ça alors Saint-Joseph ben, à où c'est comment on à moi, Daniel. Daniel, où sont Saint-Joseph? Saint-Joseph. Vous ne passez pas à Grand Brûlé? Ah oui. Non, parce que vous n'êtes pas tout seul? Non. Ah, parce que banal à mettre papa ici de feu. Et papa, il ne passe pas à Grand Brûlé. Ah bon. Ben. Vous parlez d'un autre sens là. Salut Nalo encore. À où c'est comment on Manuel. Hein Manuel. Manuel. À où c'est Saint-Joseph? Ben. Où sont un peu? Ah non. Il paraît que tout le monde Saint-Joseph, ils sont... De temps en temps, mais quand il arrive. Ah bon? Non, pas, tout le monde Saint-Joseph, ils chantent pas, autres. Il paraît que tout le monde Saint-Joseph, quand ils causent, ils chantent. Depuis le nez, ils chantent. C'est vrai, ça? Chanter le nez. Ah, aussi, ils chantent? Ah ouais, c'est un bon chanteur, mais bon. Plus musicien. Musicien, plutôt musico. Moi, c'est plus guitare. Guitare. Ah, c'est comment? Patrick, guitariste? Ouais, ouais, bah, guitare solo, rythmique, solo. Et vous jouez avec qui? En duo avec Daniel. Ah, Daniel il chante, il n'a pas dit à nous. Non, mais t'as entendu. Hey, alors comme ça on chante, tu dis pas non? Karaoké. Karaoké avec Jean-Claude Gigant et tout ça? Voilà. Petite ambiance, quoi. Petite ambiance à court. Les bons, alors. Il aime tasser le tambour, disons. Comme ça? Et tambour, il aime taper. Ah, il aime taper tambour? Ah, oui, c'est son dada. Mais c'est son quoi? Tam-tam, Mathieu. Tam-tam. Sinon, ça fait des autres jeux. Mais bon, là, on nous retrouve. Allez, tout à l'heure. Calix, on se fait un jeu ou quoi? Non, mais ça sert à bader vers de l'eau, là. Ah bon? Ah, après, tu fais un jeu comme ça, moi. Tu peux passer en haut? Il s'habille à mettre un dé tout là? Hein? Après, il dit dans. Non, là, il trappe ça comme ça, là. Là. Ouais. Il fait ça comme ça. Là. J'ai un bel épreuve, là, pour écouter le tomateur. Quand on travaille barman, on fait ça bon. On verra qui est à vous donner. Tu me fais mal, là, tu me dis c'est pas bon. Mais si, je dis, tu m'as entendu dire que c'est pas bon. Non, je t'ai fait quelque chose. C'est de l'interprétation de rêve. C'est quoi? L'interprétation de rêve. Ah ouais, mais paraît que c'est faux, ça, c'est pas vrai. Gina a rêvé de Claude. Non, mais il n'y a que les rêves de Claude qui sont exacts et qui se réalisent. N'est-ce pas, Claude? Voilà. Après, le reste. Tu me fais dire n'importe quoi, dans tout, honnêtement. Actuellement, c'est quoi ton actualité? Mais l'actualité. Parce qu'il y a l'actualité musicale, on connaît l'actualité politique, mais dans l'actualité de rêve, oui, c'est quoi actuellement? Le rêve, tu rêves de quoi actuellement? Oh, je ne vais pas te le dire. Je rêve de partir. Il n'y a que nous. Je rêve de partir. On est entre nous là, non? Oui. Je rêve de voyage, Jean-Claude. Tu rêves de voyage? De voyage, oui. Et à un endroit bien précis? Il y a deux endroits, oui. Deux? Oui. Ah bon? Il y a ma Bretagne natale. Et puis. Mon pays d'adoption. Diego, quoi. D'accord. Ouais. Tu pars bientôt alors? Je pars dans 8 jours, oui. Ah,
super. Tu nous écris quand t'es là-bas? Oh, je te téléphone. Non, tous les jours. Les ah, tu préfères. C'est plus intime. Ou un petit mail de temps en temps? Même pas. Un vrai. Alors, je te ferai, je sais pas, un petit bouquin, quoi. Voilà. Tu connais le papier en tamor? Non. Le papier en tamor, tu connais pas? Non. C'est le papier malgache. Le papier qui est fait avec des pétales de fleurs. Arrivé alors, là-bas, hein. Tu t'achètes un morceau de papier en tamor. Et je t'écris et mes rêves là-dessus. Avec voilà. Tes rêves, tout ça, c'est le papier en tamor. Ok. Ok. Allez, Claude, tout c'est à l'heure, alors, hein. À tout à l'heure. Hein, et n'oublie pas, hein, quand tu es là-bas, tu m'appelles. Non, tu m'appelles pas, tu m'écris. Non, je t'écris. Tu m'écris. Voilà. Alors, l'équipe de cuisiniers, aujourd'hui, avec Claude, Jean-Claude Gigant, Monsieur Box, Calix, mais passe vite à côté, où tout le monde connaît, ouais. Et Monsieur... Hubert. Non, Bois-Jean. Parce qu'il paraît qu'il y a un repopé Bois-Jean. Ah non, ça, non, une, deux. Dans Saint-Joseph, il n'y en a pas beaucoup. Dans La Réunion, on en a trois, quatre. Mais je veux dire, où est en espèce les... En voie de disparition? Peut-être pas en voie de disparition. Pas en voie de disparition, mais les pas nombreux. Ah bon, alors. Non. Les bons, alors, ok. Oui. Alors, Calix, mis ça tout de suite avec Jean-Claude, hein. Ah, oui. Gigant, hein. Oui, oui. Parce que aujourd'hui, c'est l'été cuisinier avec M. Box. C'est l'été cuisinier. Ah, t'es quoi, là? Patron des cuisiniers? Patron cuisinier, non, la poêle patron ici. Toi, tu mets la main, la pâte. Ah bon, ben, alors. Toi, tu mets la main. T'es conseiller. Hein? Voilà. Vous connaissez voilà. De bonne commune, un conseiller. À la région, là-bas, un conseiller. Ben. Un bon peu conseiller. Oui, mais la région, n'a bon peu l'argent. Il gagne pas des trois conseillers. Ben, nous, ici. Ben. À nous, c'est conseiller bénévole. Non, nous, toutes les pareilles, même. Bon, conseiller bénévole. Moi, il gagne pareil, toutes. Alors, M. Box. Oui. À où on l'a fait cuise, on dit. On a fait un petit carré volaille. Un petit carré volaille, mais gars, un petit coup de carré volaille. Le thé, il est joli, hein. Oui. Il y a un petit coup de main. Ben, Calix, vous connaissez comment on dans le sud, n'a pas fait que carré volaille aussi bon que ça? Ben, moi, m'y connais. Moi, là, pas tout le monde connaît son mot dans l'Est. D'accord. Il y avait un petit peu la poudre manioc dedans. Ben, hein, juste pour ça, épaissir ben, un petit peu la sauce. Hein, il va aller là. Hein. Ah, les bon alors. Comment ça? Ah, Miwali. Nous va goûter un petit instant. Nous va voir. Il y a Niron à lui prendre par lui-même. Hein. Jean-Claude. Oui. Jean-Claude Gigant. Grand chanteur devant le PNL. Combien d'albums maintenant? Deux pour l'instant. Deux albums, deux hein. Albums sortis, oui. Un troisième en préparation. Oui, le troisième en préparation, bien sûr. Il y a deux fois connaître ça, alors. Oui, hein. Si. Et à chaque fois, deuxième fois, on vient cuisiner un coup là. Voilà, oui, ben, il est tellement bon. Hein. Ben, il y a vraiment comme Calista, quand il fait la cuisine, c'est comme moi, la dernière fois, le chien, il ne goûte pas les os. Hein. Je lui propose. Ouais, lui propose à moi de venir un petit coup ici, sans mou, tout ça. Et puis, ben, il fait vraiment plaisir au moment. Nous, on aurait été contents, on était dans son nous, mais le temps n'a pas permis d'être ensemble. Là-bas sur l'engin, mais on aura l'occasion, je suppose, en fin d'année. Mais je suppose, alors, il n'y a pas de problème. Et là, hein? Ça doit faire là? Hein? Là, Calix, ça, c'est quoi ça, votre montant? Oui. Là où j'ai dit, ben, là, tu es vraiment un petit rougail d'avocat. On a fait un petit rougail d'avocat. On a fait un rougail papaye. Ouais. Après, ça, c'est là, pour, comme Jean-Claude Gigant l'a dit, son lapin. Il faut seulement la paix ensemble. Ouais. Passe mieux. Oui. Passe mieux. Ben. Bon, alors. Là où elle est à la finale, petit peu. C'est pour ça qu'on les rose en l'encagnotte. Allez, parlez pour manger. Ah, ça les roses, vraiment, hein. Bien sûr, bon. Il reste bien bon, c'est normal. Bon, là, et Calix, Monsieur Box. Oui. Hein, et Hubert, on en a beaucoup de monde, nous, quand t'as autres là-bas. Il est là. Il est là. Viens là. S'il te plaît. Là, il t'en a raconté l'histoire. C'est l'arbre qui cache la forêt, là. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ben, qui cache les invités. Bon, ben écoute, il nous appelle tout le monde. Et puis, nous passe à table, alors. On est bon? Ouais, est prêt. On est bon, alors? Oui, merci. Ok, bon alors. Merci, tout le monde. Allez. Merci. Non? Ben. Alors c'est bon. Lequel? Le canard, le lapin, le coq. Les deux. Alors, le bon? La dernière là? Le très bon. Super. Caricoque avec un petit peu lapin. Avec le rougail papaye que Mité veut tellement que Calix l'ait fait. Ensuite, avec un petit peu rougail avocat. Mais excellent.
D'accord. Oui. Non, ça, ça pique, ça, Charlie. Elle est très bon aussi. Très bon. Très bon, oui. Vous l'êtes sûr? Très bon. Confirme, oui, mais confirme. Mais très bon. Confirme. Oui. Les bons, alors. D'accord, alors. Hé, hey, moi, je passe pas à une télé. François, dis-moi. Moi, je passe pas à une télé. D'accord. T'es un femme timide. Un femme quoi? Timide. Des petits? Timide. Quel petit grand et plus grand moins. Elle est timide. Ah, timide. Ah, on comprend pas ce que Dieu nous fait. Ah, arrête un peu. Ah, ok. T'as mangé, coupe sur l'appétit pour l'eau. Coupe sur l'appétit. Ça coupe sur l'appétit, ouais. Ça va, moi. Allez, 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 ouais. Ça va. Allez, ouais. Et vous l'avez bien mangé, vous l'avez bien. Ah, mon vin est bien vide. Et très, très bon. Et très bon. Très bon. Ah, excellent. Et voilà. Eh, mais moi, quelqu'un là-bas, la fume bien commence à manger, là, c'est Claude. Alors, oh. Là, je me régale. Avec la salade de concombre, le lapin, c'est super. C'est ah mais ouais. T'as pas pris de poulet, t'as pas pris de coq. Après. Il y aura ses places. Jean-Claude m'a dit de ne pas mélanger, de goûter. Jean-Claude Gigant. Oui. Ouais. Alors je me fie à son... à sa volonté, parce que lui, c'est vraiment un cuisinier. Ouais. On voit ça, hein. Oui, oui, regarde. Ok. Santé. Goûte un petit peu. Bien, comment elle est le manger, elle est bon? Attends, attends, mais goûte et me dis tout de suite si elle est bon ou pas bon. Faut toujours un moment où il tient mon chapeau, mais... Hein, quand il mange, vous tient ton chapeau. Ah oui, c'est quand il mange, oui. C'est une tradition. C'est, non, c'est la tradition, mais c'est le respect aussi. Ah bon? Ah oui. Ah, mais elle est bon. Elle est bon, bon. Impeccable, ah oui. Impeccable. Nickel. Ah oui, ah non, elle est bon même, non. Alors, maintenant, c'est tout pour manger? Ben, bah, ça c'est comment elle est grosse. Ok, c'est plein, ça? Ben bah, oui. Ok, mais bah, là, on la met tout vraiment, là. Ah, ouais. Le pire, c'est pas ça, c'est que vous connaissez les Chinois. Oui. Les Chinois, ils mangent avec... un couteau, hmm? Non, on mange pas, un cuillère et une fourchette. Ah. Zora, il mange avec un couteau et une fourchette. Ah. Malba, il mange avec des fourchettes. Ah. Et le couteau, il ne mange pas. Regarde, couteau, tu es là. Ben. Il a un couteau, là. Et... oui, ben, ah bon. Avec des fourchettes, les mieux. Au moins, comme ça, on pique un côté, on pique l'autre côté. Mmh. Voilà. On pique en duo. Comme ça, il ne rate pas. Voilà, il ne rate pas. D'accord. Mais bon, hey, Sam, il aime bien. C'est quoi, on aime bien? Le petit rougail avocat, là. Ça les bon. Un bon petit coup de piment dedans. Hein, Calix bon. A fait ça. Calix a eu l'idée de faire rougaille avocat avec rougaille papaye. Et puis à où là, où la risque de vie, au montant le toit, pas de casse aux avocats. Ben hein, oui. Elle dit quand il veut manger, bah, il risque sa vie. Voilà, ben, hein, bah, comme toute chose. Hein. Bon, ben elle est bon alors. Okay. Non, mais rougaille avocat, il fait pour faire enceinte. Hein. Ah. Calix, mangez où hein. Et pas enceinte, ça ne peut rien. Ça, c'est la gourmandise, j'aime ça. Non, on va pas la questionner là, moi. Mais dis-moi, il aime goûter, bon, petits affaires. Non, mais c'est la gourmandise. Non, mais après, comme ces derniers jours, là, il y a bien tout en mahorais avec une grande robe de zino. Il connaît pas. Il connaît pas. Il cache tous le robe. Voilà. Mon manioc, mon banane. Voilà. Mais vous connaissez quoi? Ma continue mon manioc, banane. Mais. Après, vous gagnez dans ce mahorais. Ben, après, mes gars, gros macumba. Bon appétit tout le monde. Merci. Dino, avec Jean-Claude Gigant, ma t'es capturé sans rien que sucré salé, mais le carré est très bon. Et un proverbe dit, même si la tête d'un mort, tu peux manger ce repas-là, parce qu'il est tellement bon. Ah, ça, l'expression de Tizot, d'un autre côté. Mais c'est bien, Jean-Claude. Nous le faisions pour moi, on aurait été contents, on était dans le sud là-bas sans nous, mais le temps n'était pas. Mais nous, on aura l'occasion d'être ensemble. Hein. Les bons, la prochaine fois alors. Alors, j'espère aujourd'hui, fais plaisir à nous, manger un petit peu ensemble. Nous, hein. Ah, les bons, hein. Ben. Ah, maintenant, mangez-moi là-bas. Super. Ok, alors, on se vote, merci bien pour le carré. Ouais. Pour vous, tout est bon. Tout est bon. Non, mais aussi, aussi pour vous, tout est bon. Ah, les bons. Bon, ça va alors. Ben nous retrouvons alors. Ouais, hey, Jean-Claude, c'est bon, hein? Hein? Jean-Claude, pas mauvais. Bon, il est bon. Qu'est-ce que Jean-Claude? Il n'a pas de coin d'œil. Il n'a pas de coin d'œil, il est là. Ben nous retrouvons la prochaine fois. Ok. Sur Piment TV, sur Canal Austral. Les bons? Bébé! Allez!
vous a été proposé par 15 Créoles Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.